Les amis, bonsoir. Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle émission Salade Tomate Oignon. Premièrement, je voulais vous remercier. Vous êtes toujours plus nombreux à regarder l'émission, que ce soit en direct ou sur YouTube. Donc merci beaucoup. Merci aussi du soutien. Et continuez à le faire, hein, que ce soit via les abonnements ou les dons qui sont défiscalisés. Merci beaucoup pour votre soutien. C'est grâce à vous qu'on peut produire ces émissions et toutes les autres qui ont lieu toute la journée sur le média. Donc merci. Continuez à le faire. Ce soir, on va parler de la petite embrouille RSF CNews et le Conseil d'État qui s'en est mêlé récemment. Mais avant de rentrer dans le sujet, je vais d'abord présenter les invités. Déjà, merci à tous d'être là. Je commence avec vous, Myriam Laribi. Donc, vous êtes journaliste indépendante. Vous écrivez pour Le Monde Diplo, Orient 21 ou Là-bas si j'y suis. Moi, je vous ai découvert sur les réseaux grâce à vos vidéos. On vous voit souvent poser des questions ultra intéressantes au gouvernement. Et j'ai une petite question. Est-ce que vous avez eu finalement des réponses concrètes aux questions, surtout sur les questions qui concernent le conflit au Moyen-Orient? La dernière que j'ai vue, c'était justement sur la livraison d'armes. Est-ce que la France a répondu finalement à cette question? Est-ce qu'elle continue de livrer des armes à Israël ou pas? J'ai eu des réponses contradictoires sur les armes. À l'Élysée, donc Prisca Thévenot, la porte-parole du gouvernement, m'a dit que pas une balle tirée par Israël à Gaza n'avait été livrée par la France, qu'il n'y avait aucune arme offensive qui avait été livrée, que c'était que du défensif pour le dôme de fer, etc. Et au Quai d'Orsay, c'était pas la même réponse. C'était on en livre, mais très très peu. Quai d'Orsay, c'était aujourd'hui? Quai d'Orsay, c'était la semaine dernière à propos des armes. Je suis retournée aujourd'hui. Parce que vous étiez aujourd'hui. Oui, je suis retournée aujourd'hui. Et c'était on en livre, mais très 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 peu. Ça représente pas grand chose. Discours. Donc on en livre. Qu'on connaît. Oui. Lucas Jakubowicz, bienvenue. Merci à vous aussi d'être ici et de participer à ce débat. Vous êtes journaliste, rédacteur en chef de Décideur Magazine. C'est ça. Et vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle Un animal pour les gouverner tous. Alors rapidement, ce titre, moi, Bon, je sais de quoi ça parle, mais si vous pouviez nous le résumer très rapidement, ce livre, de quoi ça parle? C'est déjà le titre, c'est évidemment une référence au Seigneur des Anneaux. Et l'idée, c'est en fait comment les hommes politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche en France ou à l'étranger, utilisent les animaux pour séduire les électeurs. En réalité, c'est un stratagème de communication politique qui est extrêmement utilisé, mais qui n'avait jamais été vraiment traité en profondeur. Et le cas le plus récent, d'ailleurs, c'était l'histoire de Gabriel Attal qui adopte un chien et qui pose avec son chien sur Instagram. Et en fait, c'est pas du tout spontané. C'était vraiment de la communication politique vraiment sur mesure. Donc tout était mis en scène. Merci pour ce petit résumé, Lucas. Et je comprends bien mieux le titre de ce livre. Anas Kazib, je vais être obligé de te tutoyer. Hein. Tu es cheminot, syndicaliste, Sudrail. Non, mais parce qu'on a fait tellement de plateaux ensemble. Mais aussi un des porte-parole et chef de file du mouvement, enfin du parti trotskiste Révolution Permanente. D'ailleurs, il y a un meeting qui est prévu très bientôt. Donc c'est le 6 mars à 19h à la Bellevilloise avec Lordon et Salah Hamouri, dans lequel vous allez revenir sur plein de sujets différents, l'inflation. Et aussi des camarades du CSP 75 qui luttent contre la loi immigration qui n'a pas été retirée. Donc ouais, ça va être un meeting qu'on organise, où il va y avoir beaucoup de monde. Déjà, on a à peu près 700 personnes qui sont annoncées pour une salle qui n'est pas aussi grande que ça. Donc, on va voir comment agrandir les murs. Mais oui, c'est important. Le thème, c'est pour nous, c'est remettre la révolution à l'ordre du jour. Parce qu'aujourd'hui, on le voit tous autour de nous, il y a beaucoup de fatalisme, beaucoup de peur, beaucoup d'inquiétude. Et que la question, elle est de porter une alternative qui soit une alternative révolutionnaire, parce qu'on voit que ce n'est pas à travers les parlements, les sénats, les conseils constitutionnels, le conseil d'État, qui sont qu'une vaste fumisterie bourgeoise pour faire perdre du temps et occuper les gens, qu'on va changer les choses. Mais que face à la guerre, comme on dit, il faut penser aussi à quel jour on va construire demain, quoi, parce que sinon on va tous être plongés là-dedans. Ce qui vient avec Anas, c'est que ça dépend d'une parole de Poutine, une parole de Macron. Et plutôt que d'attendre que demain, il y ait des grandes boucheries, que l'histoire que nous, on n'a pas connue, mais qu'on a vue dans les livres d'histoire, plutôt que d'attendre ces grandes boucheries, commencer à se préoccuper de quelle alternative, quoi construire pour pas uniquement nous, ni nos voisins, mais aussi les générations futures qui arrivent derrière nous, quoi.
Merci beaucoup, Anas, en tout cas, ouais, d'être là. Et puis, donc, bon, c'est pas notre dernier intervenant. On a Mornia qui va nous rejoindre, qui devrait pas trop tarder, mais Fabrice Divisio. Donc, Fabrice Divisio, vous êtes avocat. Avant tout, parfois des gens l'oublient ou ne le savent même pas même. Mais voilà, aujourd'hui, vous êtes vraiment une figure médiatique. Hein. Presque tout le monde vous connaît, en tout cas les personnes qui consomment des médias ou qui sont sur les réseaux sociaux vous connaissent parce que vous réagissez à peu près à tout. Et vous voyez très souvent justement chez Cyril Hanouna. Comment ça se fait que vous n'y allez plus du tout? Bon, il y a deux grandes raisons. La première, c'est que, comme vous l'avez dit, moi, je suis avocat avant tout et qui, au demeurant, principalement en santé publique. Donc, le Covid était le sujet qui me concernait. Voilà. Et ensuite, en second lieu, il y a forcément un différent éditorial, on va dire ça comme ça, sur CNews et plus particulièrement sur C8, sur la question de Gaza, où on n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde et où, en fait, je crois que chaque média, en fait, a une espèce de ligne rouge qu'il ne veut pas passer pour des raisons qui lui appartiennent et ça le concerne. Et je crois que mes positions, peut-être très justifiées d'ailleurs, sur ce conflit ne sont pas tout à fait celles qui sont dans la ligne éditoriale de la chaîne, à moins qu'effectivement, il considère que je n'ai rien à dire, mais auquel cas, ça aurait été sympa de me le dire avant de m'annuler une heure avant. C'est un petit peu contradictoire, sachant que ce sont quand même que ce soit CNews ou C8, hein, qui prônent tout le temps la liberté d'expression, d'inviter tout le monde. J'ai trouvé ça, même si je me doutais hein, que c'était par rapport à vos prises de position sur Gaza, je pensais Cyril Hanouna bien plus ouvert au niveau de la contradiction. On l'a vu inviter des gens avec qui il n'était pas du tout, mais vraiment pas du tout d'accord. Alors c'est très compliqué parce que, d'abord, je ne dis pas que c'est à cause des positions sur Gaza. Je dis effectivement que il y avait aussi un domaine de prédilection qui était le mien, qui était le Covid. Et oui, c'est vrai. Fini, voilà. Bon. Ensuite, je crois qu'en fait, il y a sur cette question de Gaza, c'est compliqué, la liberté d'expression, c'est compliqué. Au sens où... C'est Balzac qui écrivait si le journalisme n'existait pas, il faudrait ne pas l'inventer. Il y a une part de vérité là-dedans. C'est-à-dire qu'au fond, la pluralité, elle n'existe pas. Il y a toujours à un moment donné... D'ailleurs, il l'a dit, par exemple, Cyril a toujours dit... Attends, on a raison, hein, mais il a toujours dit, moi, j'ai une ligne rouge que je me fixe, Dieu donné, je l'inviterai jamais. Mm-hmm. Ah ouais, ouais. Moi, pourtant, je sais pas. Pendant un moment, il allait tellement loin que je me suis dit qu'il pourrait peut-être... Ah, je sais pas. Moi, en tout cas, je l'ai toujours entendu dire en plateau, Dieu donné, c'est vraiment la limite, je l'inviterai jamais. Bon, alors après, il a invité Bigard pour en parler, mais il a les limites. Ici, j'ai envie de dire, quelque part, moi, je ne suis pas choqué si Cyril n'a pas envie, et je ne dis pas que c'est le cas, mais je dis que s'il n'a pas envie d'avoir d'opinions contradictoires sur Gaza ou sur n'importe quel sujet, il en a le droit. Finalement, c'est aussi ça, la liberté. Oui, c'est assez contradictoire de ne pas vouloir inviter Dieu donné, mais d'inviter à multiples reprises son équivalent, à peu de choses près, qui est Zemmour. Hein, il y en a un qui passe son temps à taper sur les Juifs et l'autre qui passe son temps à taper sur les musulmans. Et les deux ont été condamnés pour les mêmes raisons. Bonsoir, Mornia. Bienvenue, il n'y a aucun problème. Mornia, je vais vous présenter rapidement. Donc Mornia Lapsi, vous êtes syndicaliste CGT, ouais. Vous êtes membre de la Fondation Copernic et vous êtes à la coordination des quartiers. Et je suis à Urgence Palestine également. Et vous êtes à Urgence Palestine, ok. Très bien, bienvenue à vous Mornia. On va démarrer le premier sujet tout de suite, mais même question pour Anas. C'est vrai que, pareil, même si tu nous as expliqué pourquoi tu n'étais plus au GG, tu étais un grand intervenant de BTP, moi c'est là où je t'ai découvert. Et c'est vrai que, est-ce que, comment ça se fait que tu ne sois plus du tout invité sur moi, j'ai même retrouvé des extraits où tu étais chez CNews, chez Pascal Pro même. Et aujourd'hui, c'est vrai que... J'ai fait une fois Pascal Pro. On ne te voit plus du tout sur ce groupe, quoi. Moi, je suis boycotté des médias parce que je pense qu'ils ont peur, de toute façon, de manière générale, de la parole que je peux porter. Je pense que les grandes gueules ont vu que j'ai commencé à dépasser l'émission. Enfin, moi, de toute façon, à chaque fois qu'ils mettaient les records d'audience, c'était systématiquement les jours
où j'étais, et puis ils le savaient très bien. Donc je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Ils m'ont vu arriver comme un cheminot, syndicaliste un peu combatif, et ils n'ont pas vu que, au final, le discours que je peux articuler est très dangereux. Notamment, les grandes gueules, ils m'ont arrêté la veille du confinement. Dangereux pour eux. Je devais faire le lundi, le samedi, il y avait le confinement, le fameux premier confinement à minuit, là, où il fallait que tout le monde se courait prendre le TGV pour sauver de Paris. Et je devais faire le lundi, et donc ils m'ont appelé le vendredi soir pour me dire que c'était terminé, qu'ils avaient fait une réunion avec la direction. Parce que la réalité, c'est que faut pas se mentir. Enfin, moi, je suis très lucide sur politiquement. Je veux dire, je suis pas un militant révolutionnaire implanté. C'est-à-dire que le trotskisme, moi, la première fois, comme je dis, qu'on m'en a parlé, je disais, moi, je veux pas de problème, quoi. Vos histoires de révolution, de machin, je connaissais pas grand-chose. Donc, je suis pas un mec qui a été qui a appris le trotskisme ou le marxisme à Tolbiac ou dans les facs ou autres. Je suis venu au marxisme par lecture de la situation politique, et je pense que... Enfin, moi, j'ai toujours su que les grandes gueules, à un moment donné, ils allaient finir par me dégager. Je savais qu'à un moment donné, les médias allaient finir par boycotter. Parce que tant que c'est folklorique ou tant que vous apparaissez comme quelqu'un qui permet aux médias de montrer qu'il y a une parole contradictoire... Ça les aide. Le moment où vous commencez à dépasser cette parole-là, c'est-à-dire le moment où vous commencez à incarner quelque chose qui devient trop dangereux pour le système bourgeois de manière générale, inclut les médias. Je veux dire, Bolloré, il n'investit pas dans les médias pour rien. Drahi n'investit pas dans les médias pour rien. Bernard Arnault, enfin, vous prenez les top 10 milliardaires de France, ils ont tous des thunes dans les médias. C'est pour contrôler cette parole-là. Ils ne sont pas du côté de la révolution, ils ne sont pas du côté du prolétariat. Donc le moment où vous avez une parole qui devient trop dangereuse, et notamment avant le Covid, quand t'es le cheminot qui dit « Oh, le service public, les aides-soignantes et tout, oh, ça fait partie du syndicaliste qui nous emmerde avec les salaires, etc. » Mais si t'es en plateau, lorsque les urgences, elles sont pleines, qu'il n'y a pas de masque, qu'il n'y a pas de respirateur artificiel, que c'est les prolétaires qui sont dans les trains serrés, qui meurent, etc. En plus, moi, j'ai perdu mon beau-père des suites du Covid dès le premier mois. Je veux dire, ça aurait été sacrément salé pour eux si j'avais été en plus. Moi, je veux dire, je suis arrivé... je raconte souvent cette image parce que ça m'a beaucoup marqué. Mais moi, on m'a compté au cimetière pour mon beau-père comme... à l'époque où je rentrais en boîte de nuit. C'est-à-dire, j'ai eu le responsable du cimetière de Clichy, c'était 20 personnes. Et j'ai vu des gens qui connaissaient mon beau-père depuis presque 40 ans, qui n'ont même pas pu assister à l'enterrement. Et en même temps, on avait Édouard Philippe et compagnie qui nous disaient, il n'y a aucun problème à être serré dans le métro, c'est pas dans le métro qu'on attrape des choses. Ça veut dire que toute cette parole-là, qui est claire, qui est lucide, qui parle à celles et ceux qui n'ont que leur force de travail pour pouvoir vivre, elle devient dangereuse. Et donc, à un moment donné, les médias te coupent, quoi. Donc c'est... En tout cas, tu es le bienvenu ici et tu le seras toujours. Merci Anas d'être là ce soir et de nous raconter cette histoire. On va commencer tout de suite. Donc, ça va être un peu la thématique principale de l'émission. Vous avez tous vu RSF qui a saisi le Conseil d'État parce qu'il estime que l'ARCOM ne fait pas son travail de régulateur concernant les médias d'un point de vue général. Mais l'étude qui a été faite, elle concernait surtout CNews. Et on a vu toutes les émissions, que ce soit Hanouna, Morandini ou Pascal Pro, crier à la censure, dire que la liberté d'expression était en danger. Lucas, c'est la question en premier que je vais vous poser à vous, parce que vous intervenez sur CNews, entre autres. Est-ce que vous pensez que cette décision met réellement la liberté d'expression en danger ? Alors, avant de commencer de répondre à votre question, peut-être juste un propos à la fois aux téléspectateurs et puis aux invités. Merci d'abord de m'avoir invité à cette émission. J'ai regardé les deux salades tomate-oignon avant de venir, donc j'ai trouvé que c'était intéressant. Ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est de lire les commentaires sous la vidéo YouTube, et j'ai vu que beaucoup de téléspectateurs étaient vraiment demandeurs d'avoir des débats avec des avis divergents. Donc, on essaie de le faire avec des gens qui ont une pensée qui est à peu près construite. Enfin, on ne va pas chercher des personnes qui appellent à la haine. J'ai conscience aussi que pour vous, c'est difficile d'avoir des contradicteurs. Et d'ailleurs, quand moi, j'ai dit que j'allais à l'émission, j'ai beaucoup d'amis ou de confrères ou de proches qui m'ont dit « Mais t'es totalement maso. Qu'est-ce que t'as gagné? Tu vas te faire insulter dans les commentaires. Pourquoi tu y vas ?» On en parlera peut-être. Mais c'est ma vision. Ça fait partie du plus de la discussion. Ce que je peux dire aussi, c'est que effectivement, il y a beaucoup de commentaires qui sont vraiment super sympas, de se dire c'est cool d'inviter des gens qui pensent différemment et tout. J'ai remarqué aussi qu'il y a quand même des commentaires de gens qui sont
assez vindicatif contre ceux qui ne sont pas dans leur ligne politique. À cela, je voudrais dire, bon, vous avez le droit, il n'y a aucun souci. Par contre, pensez aussi que ça peut faire du tort à l'émission, parce que finalement, beaucoup de personnes qui vont être, par exemple, de mon bord politique vont se dire, mais en fait, on me dit que c'est le pluralisme, je viens pour me faire insulter, peut-être que je vais passer mon tour. Donc voilà, peut-être petit message aux gens. Insultez-moi, qui... moi, laissez-le. Non, ou même moi, il n'y a pas de souci, mais ayez conscience que ça pourra... Non, mais bien sûr. Après, les trolls sur les réseaux... Après ça, on est obligé de vivre avec. À partir du moment où on participe au débat dans les médias, on sait très bien que... Après, pour répondre à votre question qui était, est-ce que l'ARCOM n'est pas allé trop loin, c'est ça? Oui, est-ce que la liberté d'expression est en danger avec cette décision de justement de contrôler, de faire respecter les engagements que CNews a signés vis-à-vis de l'ARCOM et de faire respecter la pluralité, que ce soit dans les intervenants ou dans les idéologies politiques? J'en ai strictement aucune idée. Tout simplement parce que l'avis du Conseil d'État est super flou. D'abord, ils vont dire à l'ARCOM, vous devez vérifier la neutralité des journalistes et des éditorialistes. Mais qui? Tous? Quelques-uns? Comment on fait? Deuxième point, on dit à l'ARCOM, et ça, c'est pas un cadeau, c'est à vous de fixer les modalités sur comment vous allez contrôler la politisation des invités. Mais concrètement, comment c'est possible? Je vous donne, par exemple, quelques exemples concrets pour que les téléspectateurs comprennent bien, et puis peut-être aussi les gens sur le plateau. Prenons, par exemple... Alors, d'abord, ça suppose que tous les journalistes et tous les éditorialistes sont politisés. Ce qui peut se discuter. Je ne sais pas, j'ai une consoeur avec moi. Est-ce qu'on est politisé ou pas? Admettons qu'on le soit. Mais ça suppose aussi... Après, il y en a qui le sont plus que d'autres. C'est-à-dire que c'est plus facile de connaître les opinions de certaines journalistes de Valeurs Actuelles que d'autres qui restent assez neutres, qui s'occupent uniquement de rapporter des faits et non pas de les commenter. Je vous le Chose que moi, je fais, par exemple. Moi, je sais que je ne suis pas un journaliste neutre, entre guillemets. Implicitement, on est tous plus ou moins politisés. Bien sûr. Après, la question, c'est savoir si on est politisé dans le sens de partisan. Est-ce qu'on relaie les éléments de langage d'un parti politique? Est-ce qu'on relaie la doctrine d'un parti politique? C'est ça, être politisé. Et alors là, pour l'ARCOM, mais ça va être très difficile de faire des classements. Imaginons un confrère, par exemple, de Marianne. On va l'inviter pour parler de l'immigration, de la laïcité, du communautarisme. Il va sûrement avoir des atomes crochus avec des homologues, je ne sais pas, du Figaro ou avec des élus LR. Mais par contre, si on parle d'Union européenne, si on parle d'économie, de fiscalité, il va être sur la même longueur d'onde qu'un député LFI, par exemple. Inversement, vous prenez dans ma famille politique à moi, c'est-à-dire, on va dire, les libéraux. Vous avez des journalistes libéraux qui vont être très ouverts sur les questions de mœurs. Ils vont être pro-GPA, ils ne vont pas voir l'immigration comme un problème, ils ne vont pas voir le grand remplacement comme un problème, ils vont dire que ça n'existe pas. Mais par exemple, sur les questions économiques, ils vont dire il faut sabrer les aides sociales, il faut faire une retraite par capitalisation. Ces gens-là, l'ARCOM va les classer comment? De droite ou de gauche? Et dernier exemple, et après quand même je laisse la parole à d'autres, mais un exemple qui va sûrement parler à tous les gens qui regardent le média. Prenez le cas par exemple de ma consoeur Françoise de Goix, que vous connaissez tous ici. Pendant des années, elle a défendu l'ANUPS et Mélenchon, seul contre tous, sur Sud Radio et sur LCI. Depuis le 7 octobre, elle a un peu changé d'idéologie. Oui, elle a dénoncé une forme d'antisémitisme chez la LFI, etc. Admettons que donc l'ARCOM la catalogue comme journaliste LFI ou NUPS et qu'elle est dans un débat sur la Palestine ou sur Gaza. Est-ce que vous pensez sincèrement que l'état-major de LFI sera content de savoir que l'ARCOM l'a classée comme journaliste représentant la NUPS? Donc tout ça pour dire que le classement va être extrêmement difficile. Mornia, vous venez d'arriver, donc j'aimerais un petit peu que vous répondiez à ce qui vient d'être dit. Est-ce que vous pensez que la liberté d'expression est en danger? Et puis qu'est-ce que vous dites face à ces explications? C'est vrai que ça va être difficile. Je rejoins ce que vient de dire Lucas. Il y a certains journalistes, en tout cas, avec qui ça va être difficile de coller, entre guillemets, une étiquette. Mais est-ce qu'il faut vraiment le faire sur tous les journalistes? Je ne crois pas. Il y a plusieurs choses. Alors moi, je n'ai pas lu la décision du Conseil d'État. D'habitude, je regarde, mais là, je n'ai pas lu. Mais d'abord, peut-être la première chose, c'est à quoi sert l'ARCOM? Est-ce qu'elle a joué son rôle toutes ces années? Et pourquoi on en arrive à une saisine du Conseil d'État? Ça, c'est peut-être la première chose. L'ARCOM est un organisme qui est censé, enfin moi je ne connais pas exactement la définition de son objet, mais en tout cas à veiller à une égalité en matière de... Réguler, bien sûr. Voilà, et faire respecter tout simplement la charte qui est signée entre l'ARCOM et les diffuseurs. Et les différentes chaînes, les différents médias d'une manière générale. Ouais. Je ne connais pas le contenu de cette charte, mais j'imagine quand même ce que ça peut être. Alors moi je l'ai, je vais,
voulais vous en parler juste après. Très bien, mais en tout cas, souvent, ce qu'il y a dans une charte, c'est l'égalité en termes de temps de parole. Si on est sur des médias télé, c'est la présence effective des uns et des autres. Bon, voilà. Si vous voulez, il n'y a pas besoin non plus d'être, voilà, d'être super, super extraordinaire pour savoir ce qu'il y a dans des chartes, qui sont souvent d'ailleurs des écrits qui ne mangent pas de pain, qui ne sont pas contraignants. Bien sûr. Et justement, c'est pour ça qu'on en arrive à des saisines des différentes juridictions, et surtout, qui est à la tête de ces organismes-là. Donc il y a aussi la question de la séparation des pouvoirs, mais en tant que tel, si ce sont les mêmes qui contrôlent que ceux qui sont... Bah, le président de l'ARCOM est nommé par Emmanuel Macron. Voilà, tout à fait, c'est là où je voulais en venir. Donc voilà, en réalité, bon, ça c'est la première chose, et en réalité, rien que ça, ça... C'est extraordinaire. Mais sur l'étiquetage des journalistes, qu'est-ce que vous répondez ? D'abord, peut-être que ce que je peux... C'est Lucas, c'est ça ? Lucas, l'étiquetage politique, c'est pas simplement un discours politique, c'est pas simplement une carte. C'est aussi d'abord le corps est politique. Je veux pas faire de la philosophie, mais c'est aussi ce que vous mettez, les uns et les autres journalistes, dans votre contenu. Et c'est pas la même chose de délivrer une information brut, quand on n'est pas journaliste, justement, aujourd'hui, je veux dire, un peu tout le monde sait où est-ce qu'on peut mettre le média, où est-ce qu'on peut mettre CNews, où est-ce qu'on peut mettre BFM, où est-ce qu'on peut mettre Libé, où est-ce qu'on peut mettre Marianne en termes politiques. C'est pas forcément une histoire de personne, mais une histoire de ligne politique. Après, on sait aussi à quel point les journalistes, et c'est pas nous qui le disons, ce sont les différents syndicats de journalistes, en tout cas pour la CGT de la presse, ils le disent assez régulièrement, on sait à quel point les journalistes ont une marge de manœuvre quand même très serrée quand ils sont dans quelques médias que ce soit. Donc ils ont tendance à suivre cette ligne politique. Donc oui, moi je regrette sans vouloir, il n'y a pas besoin de l'ARCOM, n'importe quelle personne à peu près bien constituée sait exactement... où est-ce qu'on peut placer un journaliste dans la manière dont il interview, déjà la forme, et dans ce qu'il met dans son interview. Quelqu'un qui dit à quelqu'un de droite « Oui, alors je sais rien, moi, dites-moi ce que vous pensez de l'inflation » et qu'il réagit comme ça, parce que c'est comme ça que ça se passe. Et je suis désolée, moi, pour moi, ce n'est plus de l'information. Tout le corps parle, oui, c'est vrai, qu'on crée une connexion de corps, une connexion de code. Bah, je suis désolée, mais je veux dire... Ça avec donne... l'animateur et le média en question. Oui, ça donne déjà le ton. Et puis après, il y a ce qui vient. C'est, on est toutes... Il y a beaucoup de journalistes maintenant qui disent « Ben oui, évidemment !» D'ailleurs, il y a une parodie qui est sortie il n'y a pas longtemps qui est, voilà, qui est extraordinaire sur ce point-là. Donc, ce que je veux dire, c'est que ne prenons pas les gens pour des abrutis, d'une manière générale. Et c'est surtout que l'ARCOM n'a pas fait son taf tout ce temps. C'est surtout ça. Fabrice, qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce que vous pensez, comme on l'a entendu sur ces chaînes, que la liberté d'expression est en danger avec cette saisine du Conseil d'État ? Moi, je trouve que la liberté d'expression est en danger, mais que ce n'est pas le responsable, ce n'est pas le Conseil d'État. Le responsable, c'est la société. Qu'on a une liberté d'expression en danger tout court, et que si le seul problème de la société était CNews, mon Dieu, j'ai envie de dire, on serait bien tranquille. Que la liberté d'expression, elle est en danger. Regardez ce qui s'est passé avec l'article 4 de la loi sur les dérives sectaires. Regardez ce qui se passe de manière générale avec la liberté de manifester. Regardez, c'est-à-dire qu'on a une liberté d'expression qui est en net recul. Quand Olivier Véran, pendant le Covid, a dit « la liberté, c'est d'obéir au risque d'être mis au banc de la société », je suis un des seuls que ça avait choqué, quand même. Donc, ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, c'est que, sur les médias, moi, j'ai envie de dire... Je vois sur vos verres la faire pleurer Bolloré. C'est pleurer Bolloré. Vous voulez pas le lâcher deux minutes, Bolloré ? Juste, hein. Je m'en fous. Moi, je vous l'ai dit, je le connais pas. Mais enfin, on peut parler du groupe Altice, par exemple. On peut se demander, est-ce que Bernard Mourad, qui était quand même, au moment de la campagne d'Emmanuel Macron en 2016, numéro 2... Groupe Altice, c'est BFM, Drahi, etc. Quand même, hein, Bernard Mourad, qui était numéro 2 du groupe BFM, du groupe Média, en fait, BFM Média, s'est retrouvé à la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron. Alors, fait du hasard ou pas, je ne sais pas, mais Emmanuel Macron a eu 426 minutes de temps de parole quand il était ministre de l'économie, là où ses adversaires, tous confondus, ont eu un peu moins. Ce que je veux dire, c'est que... Et on a une ligne éditoriale qui est très macroniste chez BFM et qu'on peut voir aussi assez facilement. Oui, mais si vous regardez, c'est amusant, parce que finalement... Et c'est là où je m'interroge. Hein. Je ne suis pas là pour défendre CNews, absolument pas. Mais je m'interroge, c'est tout. Je veux dire, CNews est convoqué en grande pompe devant, aujourd'hui devant l'Assemblée. J'ai pas vu, effectivement, BFM. BFM qui, quand même, est capable de vous dire pendant le Covid que nous, on a assumé de mentir pour protéger l'action publique. Mais... Bon.
Alors, rapidement, allez-y, Lucas. Non, juste une petite chose sur BFM. Je sais qu'on attaque beaucoup CNews en disant c'est une chaîne d'extrême droite et tout, mais excusez-moi, BFM, ils invitent des gens que même CNews n'invite pas. Oui. Ils ont invité Thaïs Descuffon, ils ont invité Renaud Camus, qui, eux, sont même pas invités sur CNews parce qu'ils sont trop sulfureux. Mais je pense que ce moment-là, justement, correspondait à une période d'audience en chute chez BFM. Et on a vu que pendant un moment, vraiment, BFM cherchait à faire du CNews et on voyait que les chroniqueurs de CNews étaient de plus en plus présents sur BFM, mais pas que sur BFM, dans toutes les chaînes du groupe, sur RMC, etc. Myriam, question, vous pensez que vous serez étiqueté comment après par le Conseil d'État ou l'ARCOM? Est-ce que vous pensez que on vous mettra à gauche ou à droite, ou peut-être que vous aurez peut-être la chance de ne pas avoir d'étiquette et considéré comme une journaliste neutre? Bon, moi, je ne suis pas sur les plateaux télé. Je ne passe pas ma vie sur les plateaux télé. Dommage. Dommage. Bon. On y gagnerait à avoir des avis comme le vôtre. Moi, j'assume avoir un cœur à gauche, clairement. Je ne m'en cache pas du tout. Je ne suis pas donc concernée directement, mais vous demandiez est-ce qu'il y a un problème de liberté d'expression en France. Je pense qu'il y a un grand problème de liberté d'expression, clairement, qu'il y a un manque de pluralisme à CNews et dans la plupart des médias dominants. Comme dit quelqu'un qui met très cher, les médias dominants aident les dominants à dominer. C'est vraiment, moi je trouve que ça résume la situation. Ce sont des puissances financières qui sont derrière, pas seulement, parce que même dans le service public, on peut voir vraiment un grand problème de pluralisme dans le traitement médiatique, par exemple, qu'a eu la radio France Info de ce qui se passe à Gaza depuis le 7 octobre. Moi, m'a scandalisé. Donc je sais que c'est pas le sujet, mais ça pas pour le moment, oui, d'accord, on en reparlera après, mais concernant CNews, moi je suis jamais pour la censure. CNews a un public qui doit avoir... Qui a été le public numéro 1 dans les chaînes info. Voilà, Ils ont dépassé BFM. On ne peut pas nier ce public a besoin de la voix de CNews. Mais par contre, CNews a une responsabilité. Les journalistes de CNews, la direction de la rédaction de CNews a une responsabilité en termes de pluralisme et en termes de présentation des choses. Je peux comprendre. Je suis pas fermée. Et je peux comprendre qu'il y a des gens qui ont besoin qu'on parle de cette manière, par exemple, des sujets liés à l'immigration, etc. Il y a des vrais problèmes qu'on ne peut pas nier. On est, même les personnes issues de l'immigration, moi je suis moi-même immigrée, confrontée à des sujets qui peuvent être liés à des problèmes de sécurité, de trafic de drogue et tout ça. C'est des choses qu'on ne peut pas nier. Simplement, ça ne résume pas les populations arabes, africaines, de culture musulmane qui ont une culture très importante, un raffinement, une culture qui peut être mise en valeur, en fait, et qui n'est jamais mise en valeur sur ce genre de chaîne. En fait, on est présenté simplement comme des sauvages, ou déshumanisés, comme c'est le cas en Palestine. Moi, je dis pas s'il y a un public pour ça, c'est qu'il y a des gens qui en ont assez d'un certain nombre de choses et qui peuvent avoir une colère par rapport à ça, qui ont envie qu'on leur dise les choses comme ça, franco, direct. Et voilà. Et je ne sais pas si je me suis bien exprimée. Qu'est-ce que tu penses de ce que vient de dire Myriam et plus général du sujet? Non, mais moi, je suis totalement d'accord sur la question du pouvoir de domination. Pour compléter un autre intellectuel et penseur important, c'est Karl Marx qui disait que la pensée dominante, c'est la pensée de la classe qui domine. C'est primordial. Je veux dire, quand vous voyez, en réalité, les gens... Il n'y a même pas besoin de l'ARCOM pour voir ce qu'est CNews. Les gens font déjà leur propre analyse, en réalité, des médias au fur et à mesure. Quand on regarde, ne serait-ce que sur les dernières années qui nous séparent entre la loi El Khomri, le mouvement des Gilets jaunes, etc., tour à tour, les différentes catégories des classes populaires ont dû avoir affaire, à un moment donné, à cet œil bourgeois et cette lecture bourgeoise et ce traitement bourgeois. Je veux dire, les Gilets jaunes, si vous vous souvenez, les premières journées, etc., c'était le carnaval des Gilets jaunes. C'était les petits Français qui occupent le rond-point avec des casseroles, etc. Le moment qu'ils ont commencé à dire Macron démission, on va venir te chercher chez toi, on vient à l'Arc de Triomphe, etc. Là, ils ont commencé à se dire, oh là là, faut faire attention à qui on est en train de donner la parole, parce qu'en réalité, c'est des gens qui sont
pas de notre côté. Donc après, derrière, on a vu même des manifestations à l'époque des Gilets jaunes devant les différentes chaînes de télé. Il y a le traitement vis-à-vis des quartiers populaires, le traitement vis-à-vis des musulmans, etc. Donc c'est pas uniquement... je suis d'accord sur le fait que c'est pas uniquement CNews et Bolloré. C'est le traitement et le traitement de l'ensemble des médias qui, en réalité, font un traitement qui est totalement lié à une logique, à une pensée. Et même les peu de fois... on vous donne la possibilité de vous exprimer. Il faut voir que notamment les chaînes d'information en continu, faut pas les regarder que la séquence où il y a le syndicaliste de la CGT ou bien il y a le sociologue de je sais pas quoi. Faut regarder dans la continuité. C'est-à-dire que même quand vous êtes invité, vous avez un temps de parole qui n'a rien à voir avec tout le reste du temps de parole qui est dit. Je veux dire, un exemple, avec la nouvelle émission de Hanouna sur le week-end. Ah, je veux dire, ils sont 9 intervenants. Ils sont 9 intervenants. Mm-hmm. Le seul intervenant qu'on pourrait qualifier de gauche, mais qui n'est pas un militant politique, ni organisé, ni quoi que ce soit, ni avec... on ne connaît pas sur toutes les positions sur tous les sujets, c'est Rost, qui est vu comme... un peu une parole... Il a dit que c'était un soutien du PS, enfin de Hollande, en tout cas. Mais c'est pas, je veux dire, c'est pas un ouvrier ou je ne sais quoi. Mmh. Vous enlevez Rost, sur les 8 autres intervenants, il y en a 5 qui sont liés à l'extrême droite. Soit un qui est député, c'est quand même exceptionnel. Moi, il faut m'expliquer en quelle année un député du Rassemblement National, il est au Parlement, il a invité en tant que député... Julien Odoul. Il y a Julien Odoul. Il a fait 2 émissions le week-end en tant qu'intervenant sur Face à Hanouna. Il y a genre une petite anecdote à partager. Il y a Julien Odoul, il y a une TikTokeuse qui est en réalité, je veux dire, elle a 20 000 abonnés, cette personne-là. Les seuls TikTok qu'elle fait, c'est vis-à-vis de Zemmour et de ses liens avec l'extrême droite dure. Mm-hmm. Une journaliste de l'Incorrect qui est proche de l'extrême droite. Ouais. Et Amaury Bucco qui était un ancien journaliste de Valeurs Actuelles et qui est journaliste de CNews. Et qui sont les autres, c'est des chroniqueurs de l'équipe de Hanouna. Je veux dire, c'est pas Valérie Benahim qui va aller se fight avec Hanouna. Ouais, c'est pas vrai. C'est-à-dire que même quand vous avez un petit peu de temps de parole, je veux dire, il y a récemment BFM m'a recontacté après 4 ans pour intervenir sur la grève des cheminots. Quand j'ai demandé le plateau de télé, j'allais y aller quand même. Ça a été après annulé parce que je crois que c'était la fusillade aux États-Unis qui est arrivée en même temps. Donc, ils ont coupé le truc. Mais je vous assure, le plateau, mais bon courage. Mmh. Charles Consigny, Christophe Barbier, c'est que ça. C'est-à-dire, on vous met avec des gens qui, de toute façon, même si on vous donne 10 minutes... et que les autres, on leur dit, chacun a eu le droit à 10 minutes. La réalité, c'est que dans votre ligne à vous, dans ce que vous défendez, vous avez 10 minutes, alors que les autres, en gros, vous pouvez rassembler leurs 40 ou 50 minutes de temps de parole. Et c'est tout ça qui pose problème. C'est pas juste la question de la pluralité. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont invitées, mais qu'il faut regarder dans l'ensemble, et je m'arrête là-dessus, excuse-moi Camille, quand tu regardes ces news, l'ensemble des invités, des gens de Boulevard Voltaire, des gens de Minute, de Rivarol, etc., d'Ornella, et autres. À un moment donné, il ne faut pas se foutre de la gueule des gens et de faire croire qu'il y a une vraie pluralité là-dedans. Alors justement, pour revenir sur la pluralité et pour reparler justement du travail de RSF qui a été fait et qui a analysé l'émission du matin et celle du soir, donc celle de 8h et celle de 20h. Et donc sur cette étude-là, ils ont relevé qu'il n'y avait que 13% d'informations sur ces plateaux. Le reste, c'était du commentaire. Et 83% des invités étaient des gens de droite ou d'extrême droite. Donc il y a une étude qui est factuelle, qui est certes faite sur 2 semaines, mais il y a Arrêt sur Image qui a fait la même chose juste après sur 2 semaines. Et la personne justement qui a inspiré cette étude l'a refait un mois après. Je veux juste, parce que la réponse qui a été donnée à ça, c'était oui, on invite beaucoup de gens de gauche, mais ils ne viennent jamais. Et c'est vrai qu'il y avait un petit extrait des gens de gauche chez Pascal Praud qu'on a tous vu et qui peut expliquer la raison de pourquoi ils n'y vont pas. On le regarde rapidement et on commente juste derrière. Pauline, je veux bien qu'on ait des débats ensemble, mais quand on vous interrompt, il faut que vous arrêtiez de parler. Enfin, vous rendez compte les arguments que vous donnez? Mais faut apprendre aux gosses de 18 ans à prendre des notes. Bah oui. Mais enfin, vous êtes des enfants. Faut être sérieux. Pardon, ça n'a rien à voir avec le stationnement. Vous me répondez 40 000 morts et je vous dis que ça... Enfin, c'est insupportable. Non, c'est insupportable de répondre comme ça. Je vous parle d'une amende à 50 euros et vous me dites qu'il y a 40 000 morts en France. Comment voulez-vous que vous soyez crédible? Je vous interromps.
Arrêtez, arrêtez de mettre les insultes racistes à tout bout de champ sur le débat. Ça suffit. Alors, c'est intolérable. Okay. Bon, non, c'est intolérable. Personne ne. Mais pourquoi vous partez? Parce que c'est hallucinant. Je lui c'est demande. Pas une émission de débat, je normalement. Lui, c'est pas lui. Une émission où allez, on a le droit ça, de répondre. Là, vous êtes sur votre public. Mais je suis pas et sur ça, mon c'est public. Pas bien. C'est... Vous êtes en train de Pascal. Prendre en otage notre émission. Mais je vous demande de vous taire. Je vous demande de vous taire. Mais depuis Clément. Tout à l'heure, je vous demande deux je minutes vous pour demande, vous répondre. Vous m'invitez. Clément, je vous demande. Je vous répondre je et vous ne m'autorisez pas. Et après, vous appelez ça une émission de débat. Clément, mais vous êtes justement insupportable. Mais je vous demande. Mais si vous m'aviez laissé répondre, on aurait terminé depuis 10 minutes. Je veux pas que vous répondiez. Vous voulez pas que je réponde? Non. Mais c'est plus une émission de débat. Alors, si vous êtes pas content, vous partez. Mais non, promis, ça se passera pas comme ça ici. Mais oui, donc, bon, je pensais qu'on allait voir les intervenants, mais c'est un petit peu compliqué parce qu'on se fait souvent strike les vidéos juste après. Mais voilà, des personnalités de gauche, vous avez reconnu le chroniqueur qui fait d'excellentes choses, Clément Viktorovitch et d'autres. C'est vrai que, et puis même d'un point de vue général, on entend souvent Pascal Pro prendra parti, Mélenchon prendra parti, Sandrine Rousseau. Donc ça peut être une explication au fait qu'il n'aille pas sur ce genre de plateau. Mais comment est-ce qu'on fait quand on invite des gens de gauche et qu'ils ne viennent pas? Pour le pluralisme, c'est vrai que c'est difficile. En fait, ça pose une question plus générale. Hein. Je veux dire, on découvre rien là. Ce qu'on découvre finalement. On s'en émeut, mais réfléchissons-y un instant. Vous souvenez d'Émile Girardin qui a fondé La Presse en 1836, hein, quotidien, le vrai premier quotidien. D'ailleurs, Balzac a écrit L'illusion perdue à ce moment-là. C'est intéressant. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait La presse, elle se vend deux fois. Elle se vend la première fois aux lecteurs ou aux abonnés, et la deuxième fois aux publicitaires. Et il rajoutait, d'ailleurs, il disait sur le marché de juillet, ensuite, on l'a acheté la troisième fois aux ministres. Ce que je veux dire, c'est qu'au fond, peut-être que ce qu'on découvre, c'est que la liberté de la presse, c'est juste une illusion, en réalité. Qu'au fond, on en débat et on a raison d'en débattre. Mais je suis assez d'accord sur le fait que, comme disait tout à l'heure, pardon, j'ai oublié votre nom. Anas. Anas. Finalement, à un moment donné, on a des milliardaires, ils ont des milliards, et ben, ils ont des milliards, ils s'offrent des médias. Il y en a qui s'offrent des Ferrari, eux s'offrent des médias. En plus, Ferrari, bon, d'accord, si vous voulez. Mais c'est peut-être ça. Moi, j'ai envie de dire quelque part. Souvenez-vous de... Mais sur la non-présence de... Voilà, il a parlé beaucoup de Sandrine Rousseau, qu'il invitait très fréquemment. Mais en même temps, Sandrine Rousseau, elle est souvent prise à partie dans ses émissions. Et puis, on l'a vu avec aussi, pas François Jost, mais justement, Christophe Deloire, exactement, qui s'est fait... massacré dès la première intervention, en reprochant de ne pas avoir dit bonjour. Mais vous avez raison. Comment est-ce qu'on fait pour confronter ces gens-là sur un plateau par télé? Exemple, moi, c'est l'une des divergences que j'ai avec Cyril, par exemple. Là, j'ai un problème avec Cyril, j'en ai au moins un, en tout cas. Je lui ai écrit plusieurs fois, j'ai envoyé des SMS, tu ne veux pas lâcher Mélenchon deux minutes, là? J'ai eu cette phrase, non, putain, tu vas réussir à me le faire... Mélenchon a saisi l'arc, comme... Ouais, je lui ai répondu, putain, tu vas réussir à me le faire aimer, quoi. Je veux dire, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a aussi ça, c'est ça qui est très dérangeant. Je suis d'accord pour dire que c'est dérangeant. Moi, j'ai tweeté, par exemple, un truc en disant « Mais ils ont pété un câble en ce moment, TPMP, qu'est-ce ce truc-là sur le plateau du samedi ?» Je ne suis pas sûr de tout comprendre à ce qui se passe. Maintenant, je pense que comment on fait, eh ben, je vais vous dire, si vous voulez, mon sentiment, eh ben, on ne fait pas. Ok. Et ça, je pense qu'on ne fait pas. D'accord. On reviendra juste après sur... Ouais, allez-y, Mordia. Oui, comme ça, on est dans la pluralité, pour le coup. Plusieurs choses. D'abord, la question qu'il faut se poser sur les médias, et notamment ces séquences-là, c'est qu'est-ce qu'on cherche? Est-ce qu'on fait de l'information? Honnêtement, c'est mon avis et c'est l'avis de beaucoup. Ben non. Tu viens de citer des chiffres et ils sont très clairs. C'est-à-dire qu'on a pris 15 jours, on a analysé et on s'est rendu compte que sur des chaînes, en l'occurrence CNews, mais vous avez raison de dire que BFM et France Info, ils sont complètement partis à droite sur la dernière séquence. C'est dire à quel point que c'est pas qu'une histoire de détention de ces médias par la finance, mais bien du contexte dans lequel on vit. On veut faire du buzz. On veut faire donc de l'argent, de l'audimat, et à tous les prix. Et du coup, on se retrouve sur une séquence d'informations, ce qu'on appelait à l'époque, où il n'y a pas d'informations. Où on a 8 personnes face à face
C'est vrai, mais tout de même. Tout de même, on a. Enfin, moi, je suis issue d'une famille où mon père ne comprenait pas très bien le français. Mais si, tout de même, on avait, on avait les trois chaînes publiques à l'époque, on avait quelques bribes d'informations. Et évidemment qu'il y en avait qui étaient plutôt placées à gauche, plutôt à droite. Mais là, on n'a plus du tout d'informations. Mmh. C'est-à-dire que sur 100%, on se retrouve. Et c'est ça qui est ahurissant. Et c'est depuis l'avènement des chaînes d'infos en continu. Hein. Mais il y a ça. Et puis, il y a aussi, et tout à l'heure, je voulais rebondir sur ce que vous disiez, c'est il y a un public. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi il existe aussi ce public. Est-ce que ce n'est pas ces chaînes-là aussi qui, à un moment donné, à force de buzz, à force de ah ben là, c'est du cinéma, je veux dire, pro, là, tout de suite. Et si on le regarde assez régulièrement, c'est du cinéma. C'est une mise en scène, c'est les lunettes, c'est des gens qui viennent, qui font semblant d'être en désaccord. Mais on ne sait même pas... Est-ce que le public justifie le propos ? Parce que je pense que si on mettait des gens exécrables et totalement racistes à la télé, je pense qu'ils feraient des cartons d'audience. Tout à l'heure, on a parlé de Dieudonné. Ben on le voit, de toute façon, Dieudonné n'est pas à la télé, mais il fait des cartons d'audience. Mais l'idée, c'est de quel racisme on parle ? Et c'est pas pour autant qu'on lui donnerait la parole sur une chaîne mainstream. Mais évidemment, mais c'est parce qu'on a affaire à certaines personnes qui ont un capital symbolique et qui viennent. Une protection. Bolloré paye les amendes derrière. Mais il y a ça et ils font partie du même sérail, ces gens-là. Je veux dire, BFM et CNews. Je suis désolée, à part le fait certainement que ce ne sont pas les mêmes patrons, ce sont les mêmes sérails, ce sont les mêmes codes. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Et l'histoire de la liberté d'expression, mais c'est quoi ce délire ? C'est la tarte à la crème. La liberté, elle a été impactée depuis plusieurs années partout, mais certainement pas dans les médias, où les gens se sont lâchés, littéralement, avec une violence inouïe. On en arrive à ce genre de séquences qui sont, je suis désolée, mais d'une médiocrité sans nom. Oui, Myriam. Et ensuite, Lucas. Très rapidement, je suis d'accord avec la médiocrité. Et pour répondre à votre remarque, il y a un public et il y a aussi une volonté. Vous avez raison, et ça s'entretient. En fait, c'est un engrenage, je pense. En fait, la responsabilité des journalistes qui sont à la tête de ces chaînes est très grande et leur production est totalement irresponsable. Et effectivement, c'est médiocre. C'est beaucoup plus de commentaires que d'informations. Et le commentaire est toujours très orienté. Par exemple, vous ne verrez que presque jamais des économistes autres que des libéraux. Vous n'avez que des économistes libéraux omniprésents, etc. Les économistes de gauche, on les voit ici aux médias et on les voit nulle part ailleurs. C'est comme s'il n'y avait aucune alternative au libéralisme. Il n'y a pas de contradictoire. Au capital. Il n'y a rien, en fait. Il n'y a que ça. C'est vrai que les intervenants changent, mais pas les idées. Mais voilà, ça, c'est des trucs fondamentaux. C'est-à-dire que si c'est l'économie, c'est quand même ce qui régit la société. Et si le seul point de vue que les Français ont est celui des économistes libéraux, c'est comme s'il n'y avait there is no alternative. D'ailleurs, c'est ce que disent les néolibéraux. Il n'y a pas d'alternative à tout ça. Tout le reste, c'est du communisme. C'est les méchants. Oui, voilà. C'est des extrémistes ou des terroristes de l'intellectuel ou de la pensée. C'est ça. Et il y a aussi le fait qu'ils sont, pour la plupart des médias, alignés sur le gouvernement, sur le mainstream, etc. Sûr. Et c'est pas nouveau. Quand on se rappelle de 2005, le référendum sur le traité constitutionnel, 70% des médias ont prôné le oui. Mm-hmm. Bon, les gens ont voté non. Mm. À l'époque, c'était une bonne chose. C'était une incroyable surprise. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que l'influence médiatique, là on voit l'ascension du RN, CNews n'y est pas étranger, c'est clair en fait. Et le fait aussi je m'arrête. C'est généraliste. C'est j'ai perdu un peu mon. C'est ce qu'on voit partout. C'est commun. Oui, c'est assez commun. Lucas, j'ai cité des chiffres de l'étude de RSF. On parle de 13% d'infos, on parle de 80% d'invités de droite et d'extrême droite. Est-ce que vous comprenez qu'il y a un moment, l'ARCOM, qui doit faire son travail et qui demande de respecter tout simplement la charte que CNews a signée et qu'il force plus de pluralisme ? Tout en prenant en compte que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnalités de gauche qui ne veulent pas aller sur ce média. Ça dépend ce qu'on entend par le terme pluralisme. Et à cet égard, je ne suis pas tout à fait d'accord avec mes confrères et consoeurs du plateau quand ils disent qu'il y a de moins en moins de pluralisme. Remontons 20 ans en arrière et mettons-nous maintenant aujourd'hui. Aujourd'hui, quelqu'un qui va être très très à gauche, avant il avait peut-être le Monde diplomatique. Aujourd'hui, il a Mediapart, il a Le Média, il a Blast. Quelqu'un qui va être vraiment à droite, identitaire, etc. Avant, il n'avait pas grand-chose. Maintenant, il a L'Incorrect.
il a CNews. Et donc justement... Alors là, on parle de médias aussi qui sont indépendants. CNews, c'est autre chose. Parce qu'elle profite quand même d'une chaîne, d'un bien public, ce qui est totalement autre chose, du Média ou de Blast, qui sont des médias indépendants, qui sont lancés par leurs téléspectateurs. J'en viens à peut-être ce que je voulais dire. C'est là où on peut réfléchir à la notion de pluralisme. D'après l'ARCOM, le pluralisme, c'est dire, à l'intérieur de chaque chaîne de télévision, il faut faire en sorte qu'on ait un peu de personnes de gauche, un peu de personnes de droite. Mais en fait, c'est juste un écran de fumée. Vous parliez, par exemple, des sujets de reportage, par exemple, de CNews. En fait, ils sont déjà orientés. De BFM, ils sont déjà orientés. De France Info, ils sont déjà orientés. Donc, mettre une ou deux personnes qui pensent différemment sur un sujet qui est déjà orienté, c'est pas ce qui va favoriser l'émergence du pluralisme en France. À mon avis, ce qu'il faudrait faire, et là, ce serait plus ma vision libérale, c'est de se dire, en fait, l'État n'a pas à s'introduire dans la ligne éditoriale d'une chaîne de télévision, quelle que soit. On n'a pas à dire aux médias, ben voilà, c'est là Thomas Tognon, Camille, vous êtes obligé d'inviter quelqu'un du centre ou quelqu'un de droite. Pascal Praud, vous êtes obligé de faire venir quelqu'un de droite. L'objectif, je pense, qui serait en plus facilement atteignable, c'est de faire en sorte qu'aujourd'hui, un citoyen, quand il a sa télécommande, il sait qu'il peut avoir sur la TNT une chaîne de droite, une chaîne de gauche. Alors moi, je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est... foutre la paix à CNews, ils font ce qu'ils veulent, et donner une fréquence TNT aux médias. Et ensuite, aux téléspectateurs de juger... C'est une autre façon de faire du pluralisme. Et ensuite, alors après, il y a aussi quelque chose d'intéressant à faire, mais c'est vraiment, dès l'enfance des citoyens, faire une éducation aux médias, se dire à quelle source s'abreuver. Voilà. Après, moi, si je peux me permettre, aussi, le souci, c'est que... Le contenu de CNews aussi, qui a été énormément réprimandé et même sanctionné par rapport à des discours qui ont été factuellement racistes. Hein, ils ont donné bien la sûr, parole y a à eu Eric des Zemmour. Peines, des Donc là, on ne peut pas vraiment comparer aux médias. Déjà, on n'entendra jamais ici personne insulter une communauté. Déjà, il faut voir que pour moi, Bolloré, je ne vais pas le laisser tranquille. Parce que la réalité, c'est que... Enfin, il faut comprendre que le groupe Bolloré à un fonctionnement militaire et un fonctionnement très clair politiquement. Je veux dire, c'est Bolloré lui-même qui le dit. Il ne cache pas le fait que lui, il considère qu'il faut qu'il y ait une expression de la tradition française, catholique, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a un fonctionnement du groupe et une orientation politique qui est faite. Je veux dire, je vous donne juste un exemple. Europe 1... Vous allez sur le Twitter, le X de Europe 1. Europe 1 retweet en permanence tout ce qui se fait sur CNews. Maintenant, dorénavant, ça fonctionne comme ça. Ensemble. Le JDD marche de la même manière. C'est-à-dire le dimanche, s'il s'est passé quelque chose contre CNews ou quoi que ce soit, ça fonctionne de Paris Match en passant par le JDD, en passant par Europe 1. C'est-à-dire qu'on met une armée médiatique, politique en route contre ça. Et je veux dire, quand vous voyez que derrière... Le Vincent Bolloré rachète, le groupe achète, etc. Parce qu'il est aussi dans l'édition, et notamment dans des éditions dans lesquelles les intellectuels et les gens militants plutôt de gauche et ou d'extrême gauche avaient l'habitude de publier. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile. Je vous donne juste un exemple. Nous, vous prenez, il y avait des tribunes au moment de la réforme des retraites qu'on a publié sur le JDD. On a publié sur le JDD le 31 janvier 2023 une tribune de 300 signataires avec Frédéric Lordon, Bégaudeau, etc., etc., qui a appelé ni plus ni moins qu'à la grève général sur les retraites, sur la nécessité d'un mouvement de masse, d'une grève reconductible. Mais aujourd'hui, vous croyez que Geoffroy Lejeune, déjà, on ne le ferait pas. Mais pour vous dire, si quelqu'un pense une seule seconde que des lignes éditoriales de ceux qui viennent de Valeurs Actuelles, de l'extrême droite, qui sont condamnés, je veux dire, Geoffroy Lejeune, c'est un rédacteur en chef d'un journal qui a été condamné, lui, pour racisme et haine raciale, par rapport à l'affaire de Daniel Obono. Donc, je veux dire, par là... Qui avait été dessiné en esclave. Il faut voir tout ça. Mais je ne veux pas non plus qu'on croit qu'il y a des chaînes de gauche, parce que réellement le service public, c'est aussi une catastrophe de la même manière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que vous prenez de France 2, France 3 ou ce que vous voulez, déjà dans le service public, si vous n'êtes pas un chercheur au CNRS, si vous n'avez pas un bac plus 12 dans quelque chose, vous n'êtes pas invité. C'est-à-dire, si vous ne faites pas partie du sérail médiatico-politique, vous êtes interdit. Moi, je peux le dire, je l'ai dit avec clarté, c'est-à-dire que j'ai été invité, tu l'as dit, sur CNews, Balance ton poste, Les grandes gueules, j'étais chroniqueur, je n'ai jamais été invité sur des France Inter ou des choses comme ça. Et c'est pas que moi, là, je dis Anas Kazi parce que je cite ce que je connais, mais je vous assure que quand vous regardez au quotidien, citez-moi juste dans quel média
des réfugiés. On est au mois de février. Bien sûr. Dans quel média vous avez entendu la parole de réfugiés palestiniens ici en France, de militants politiques palestiniens, de gens comme Salah Hamouri ou d'autres, d'accord, qui connaissent la situation à Gaza, qui ont de la famille et qui ont pu ne serait-ce que s'exprimer. La gauche de la gauche, aujourd'hui, pour les médias sur la position palestinienne, c'est des gens comme Dominique de Villepin. Excusez-moi, pour que ça soit Dominique de Villepin qui se retrouve à être la personne encensée, malheureusement, incroyable, parce que les gens ont oublié ce qu'a été Chirac, ce qu'a été Dominique de Villepin, le CPE, etc., contre lequel on a lutté, moi, à mon époque. Je veux dire, par là, c'est pas le problème, c'est pas que les gens ils kifferaient, entre guillemets, excusez-moi cette expression, mais kifferaient Dominique de Villepin. C'est qu'en fait, on leur permet même pas d'avoir des gens qui sont des militants politiques et des réfugiés palestiniens qui puissent s'exprimer face à face. C'est-à-dire que soit vous avez des anciens ambassadeurs de France en Israël qui vous expliquent que oui, effectivement, c'est un nettoyage ethnique. Alors on est content, hein, on se dit, ah ouais, t'imagines si l'ambassadeur de France en Israël, il dit nettoyage ethnique. Non, ça ne m'intéresse pas, moi, ce que dit l'ambassadeur de France, si c'est lui qui doit incarner la parole opposée, la parole palestinienne sur les plateaux. Il y a des gens à inviter. Pourquoi Christophe Barbier est en permanence dans les médias? Pourquoi Bruno Jeudy est en permanence dans les médias? Myriam l'a très bien dit. Quand vous regardez les économistes, les éditorialistes et autres, moi j'adore C'est dans l'air, par exemple. C'est dans l'air, je trouve que, enfin, il y a des choses parfois intéressantes à écouter, même d'un point de vue de la lecture bourgeoise de la situation, que ce soit dans la géopolitique ou autre. Mais vous regardez, il n'y a jamais aucun intellectuel de gauche. Pourtant, on en a. Je veux dire, tout à l'heure, je disais Lordombe et Godot, et il y en a bien d'autres. Pourquoi ces gens-là, de gauche, qui ont une parole beaucoup plus subversive, n'interviennent dans aucun même média. Emmanuel ne sont Todd, pas invités. Récemment, il est passé sur BFM. Il y en a plein, sur BFM, on était un petit peu choqués. Alors, juste, Fabrice, parce que je vous entendais, vous aviez envie de réagir à ce qui était dit, et ensuite, Lucas. Je ne peux pas être d'accord avec ça, pour plein de raisons. D'abord, j'observe que vous disiez très bien qu'au fond, vous êtes d'extrême gauche, et c'est quand même sur CNews que vous avez été invité. Vous étiez chroniqueur sur BTP. Non, je n'étais pas chroniqueur, j'ai été invité. J'étais invité sur BTP. Ouais. Vous vous plaignez de ne pas être invité dans des médias, mais finalement, le seul média qui vous invite et vous laisse une parole, il est d'extrême droite. Non, je ne vous ai pas dit que j'étais... Je vous ai pas dit, juste pour clarifier et dialoguer pour ne pas dire n'importe quoi. Je vous ai dit que ce n'est pas la question de l'invitation. C'est que l'équilibre et la ligne politique... Moi, je peux être invité, mais je vais parler 10-15 minutes. L'émission, elle dure 3 heures, et puis derrière, c'est du lundi au vendredi. C'est pour regarder la continuité. Si vous voulez, mais j'observe quand même que ce que vous avez cité... Mais je ne devrais pas quémander, Fabrice Divizio. On devrait, personne de gauche ou un militant de gauche ne devrait pas quémander de venir. Non mais alors, premier élément. Deuxième élément, j'ai envie de vous poser une question. Il n'y a pas de milliardaires qui votent à gauche? Non mais c'est quand même une question, à un moment donné. On se plaint des milliardaires de droite qui font des chaînes télé. Mais rassurez-moi, il y a quand même des gens de gauche qui ont de l'argent. Vous n'êtes pas condamné à gauche. Vous aurez compris que la gauche est une notion très compliquée pour moi. Mais vous avez, rassurez-moi, il n'y a pas que des prolétaires à gauche. Il y a quand même des gens qui, à un moment donné, ont de l'argent, ont effectivement des entreprises et qui votent à gauche, qui ont financé des campagnes. Et donc, à un moment donné, on peut raisonnablement se demander pourquoi ces gens ne créent pas de médias. Et je termine avec le propos, effectivement, de Lucas, si vous me permettez, qui, je crois, pour moi, est une autre façon de respecter le pluralisme. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas à dire aux gens ce qu'ils doivent regarder, pas regarder. Non, ça c'est bien, ça c'est pas bien. L'Assemblée nationale qui convoque CNews comme un proviseur qui convoque effectivement un élève. Et les gars, je veux dire, à un moment donné, ils ont une chaîne. Ouais, Bolloré, il a de l'argent, je l'ai dit tout à l'heure. Il a décidé de faire une chaîne à droite. Eh bien, ok. Mais moi, je suis beaucoup plus favorable à cette idée selon laquelle l'État doit arrêter de se mêler de tout, et en particulier de communication. On sait très bien ce qui se passe quand l'État se mêle de communication. On sait très bien comment ça finit. Alors, en page 4 du contrat qu'a signé CNews envers l'ARCOM, c'est... Voilà, le respect des principes constitutionnels de liberté d'expression et de communication, ainsi que l'indépendance éditoriale de l'éditeur. Donc bien sûr, de ne pas faire d'appel à la haine, de discrimination, etc. Enfin, il y a énormément de points. Oui. Là, j'ai la page 4, 5 et 6 qu'on ne va pas pouvoir diffuser, mais que je vous diffuserai. Enfin, je vous dirai quelques petits points à chaque fois. Et c'est vrai qu'on peut très facilement se rendre compte. On a compris, là. Alors, un média de droite, un média de gauche. Mais dans ce cas-là, il faudrait que les conventions soient différentes et soient signées avec des règles différentes. Oui. Mais pour le moment, en tout cas, ce n'est pas le cas. Ah, mais je ne suis pas en train Ils se sont engagés à faire certaines choses. Non, mais attendez, il y a deux aspects. Et ne pas oublier que la TNT et ces canaux-là, ce sont des biens publics. Donc s'ils ne respectent pas les engagements qu'ils ont pris, normalement, c'est au revoir.
peut en débattre, savoir si ça vient plus. Bah, Attal a dit l'autorité, voilà, il faut... Oui, mais depuis quand Attal... Hein, je sais plus c'est quoi la phrase, tu dois la connaître. Depuis quand Attal dit des trucs intelligents, c'est aussi une question intéressante. Hein. Bon, maintenant, si on commence à citer Attal, on n'a pas fini non plus. Hein. Bon, si vous voulez, ce qu'il ne faut pas faire, c'est commencer à citer le gouvernement, parce que sinon, on est mal parti. Ouais, il ne doit pas diffuser aucune émission portant de gauche, atteinte moi, je m'y attendais à la pas dignité de la personne humaine. Mais c'est une vraie question. Il y a même une clause qui est incroyable, qui m'a fait penser à la séquence Loana, c'est-à-dire que même si une personne est d'accord avec le fait qu'on la dénigre en direct, ces chaînes-là n'ont pas le droit. Bien sûr qu'elles ont normalement une responsabilité. Je me permets. Et après, je vais, en fin d'émission, je vais... annoncer toutes les sanctions. Il y a 4 pages j'ai pour ces news. J'ai pas dit, tant qu'on soit bien d'accord, hein, pour plein que la question propose ce point, j'ai pas dit que c'était légal ce qui se passait. On discutait sur un point de vue finalement conceptuel. C'est la manière d'assurer le pluralisme au mieux. Alors, en fait. Moi, j'ai quand même. C'est légal, pas légal, juridique, philosophique, etc. Moi, j'estime, et tu l'as dit tout à l'heure, Camille, c'est une chaîne dont en tout cas, je l'ai en tête, chroniqueur, a été condamné pour appel à la discrimination, apologie à la haine raciale, je crois. Ça date pas d'aujourd'hui. Je crois qu'il a été condamné plusieurs fois. Alors, on va pas revenir sur les appels, pas appels, etc. Zemmour Oui. Alors, il y a des appels. Et récemment, qui sont... pour la diffusion en direct de la Convention. De la Convention, en effet. Pour le coup, moi, je suis quand même tout ça depuis de très près. Et je suis désolée, mais à un moment donné, il y a aussi la relation de cause à effet. Moi, je veux bien que les uns et les autres parlent de liberté d'expression, etc. Et particulièrement quand les effets de cette, quelquefois, propagande, ça ne les impacte pas. Mais ces discours qui sont récurrents, jour et nuit, parce que c'est ça les chaînes d'infos en continu, qui stigmatisent les musulmans, parce que c'est ça, qui stigmatisent les migrants, qui stigmatisent les fonctionnaires, qui stigmatisent les gens qui sont en grève, c'est extrêmement dangereux. Mmh. En plus... Et surtout, c'est interdit, ne pas inciter à des pratiques ou comportements dangereux, délinquants ou inciviques, respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses du public, ne pas encourager des comportements de discrimination en raison de la race ou de l'origine, du sexe, de l'orientation sexuelle. À partir du moment où on a des gens qui font même plus la différence de par leur médiocrité entre islamistes et musulmans, c'est récurrent sur cette chaîne-là et sur d'autres par ailleurs. Et bien oui, en face, on a des gens, et tu as raison de le dire, nombreux, qui vont intégrer tout ça, et ça fait système, et l'impact, il est extrêmement dangereux sur ceux qui en subissent et vivent les conséquences au quotidien, je regrette. On a l'impression que les tweets de trolls les plus dégueulasses qu'on lisait sur Twitter, on les entend en direct sur CNews. Mais exactement, je lisais tout à l'heure, et oui. Quand Dacier se permet de dire les musulmans n'ont rien à foutre de la République, c'est quand même une parole qui est forte. C'est pas de l'information, ça. C'est de la... Juste après, Fabrice, je passe la parole à Lucas. Et c'est l'impact, moi, je crois, plus que ça, c'est l'impact. En fait, peut-être aussi pour expliquer... pourquoi il y a tant d'opinions sur le chaîne télé, c'est des raisons financières, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, payer des reporters, aller sur place, ça coûte cher. C'est plus simple de faire venir des intervenants. C'est avant tout une raison, je pense, bassement économique, plus qu'idéologique. Après, une des raisons qui explique pourquoi il n'y a pas d'experts, pourquoi il n'y a pas de confrontation dans ces types d'émissions, et je suis très bien... Donc vous faites partie de ceux qui disent que finalement, CNews ne produit quasiment rien de journalistique, quoi. C'est du commentaire, très peu de reportages, c'est vrai, très peu d'invités qui connaissent leur sujet. Beaucoup moins que sur les chaînes de télé d'il y a 20 ans. Mais c'est le cas de toutes les chaînes de télé. Si vous regardez le 20h de France 2 aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus de grands reportages à l'étranger aussi. Donc, c'est tous les médias qui vont dans ce sens. Et quand on est invité, on a souvent une minute chrono de temps de parole, que ce soit sur une chaîne plus de droite ou de gauche. C'est très rare d'avoir... Ces chaînes de gauche, le temps. Lesquelles sont-elles aujourd'hui? C'est surtout ça, en réalité. Admettons, par exemple, des gens vont dire, voilà, France Inter, c'est la chaîne de gauche. Non, mais une partie. Non, parce que France Inter est joué de droite par certains, de gauche par certains. Moi, j'ai l'impression que tous les matins, il y a Jean-Philippe Tanguy qui est invité sur France Inter. Alors, je ne sais pas si c'est juste une impression. Je n'ai pas fait d'études sur France Inter. J'ai fait mais sur moi, d'autres, mais il faudra que ça vienne. Mais moi, mis à part la chronique de Walid Dia, je ne sais pas, il y a qui de Siléa Salamé. Puis on n'a pas le même public à la fois pour la presse écrite, les médias audiovisuels. Attention, et ça aussi, on pourrait rentrer dans le détail, mais ça a des impacts qui sont extrêmement...
extrêmement dangereux parce que nous n'avons pas les mêmes. Et puis même les étiquettes, il y a des gens qui pensent que Manuel Valls, c'est, pour eux, c'est quelqu'un de gauche. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué. Mais en tout cas, vraiment, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que la télé mainstream, parce que là, on parle de CNews, de BFM, autres, et on parle de part d'audience, par exemple. Mais CNews, c'est 3% de part d'audience. En réalité, les Français regardent de moins en moins la télé. Par exemple, regarde. Alors, j'avais lu ça dans Le Parisien. Je te coupe deux secondes. Il la regarde quand même parce qu'il la regarde à travers les clashs sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que tout ce qui va être clash sur à la télé va se retrouver sur les réseaux sociaux. C'est énormément relayé. J'ai l'impression que c'est oui, il regarde juste les moments de clash. Et ça, ils l'ont très bien compris. Et plus il y a de clash, et plus ça leur fait de la visibilité. Enfin, je pense. Excuse-moi d'avoir. Franchement, j'en sais rien. Il faut dire à CNews de mettre des gens très différents. Il y a un triptyque qui doit être exceptionnel. TikTok, CNews, dîner de famille, ça doit être incroyable. Des gens différents, mais peut-être plus de reportages et faire venir plus d'experts. Mais je veux aussi rebondir sur ce que disait Anas tout à l'heure sur le fait qu'effectivement, il n'y a pas assez d'ouvriers, de gens du terrain qui sont invités. C'est aussi lié, et je suis le premier à m'inclure dedans, au fonctionnement du journalisme. Aujourd'hui, un journaliste, globalement, il a fait Sciences Po, il a fait un IEP. Il vient d'une famille, parfois classe moyenne, parfois classe aisée. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on se lance dans le journalisme, au début, c'est dur. Beaucoup sont payés à la pige. C'est à Paris, ça coûte cher. Et donc, en fait, les seuls qui, entre guillemets, survivent et arrivent dans le métier, c'est des gens qui sont déjà CSP+. Bien sûr. Et pour arriver à ce poste, on doit faire pas mal de concessions. Mm-hmm. Et une fois qu'on y est, effectivement, il y a la tentation de vouloir rester à tout prix dans le système et donc de pas du tout inviter les invités que mentionnait Anas. Mais aussi, et alors ça c'est carrément sur l'autre bord du spectre politique, quand on voit par exemple des reportages sur les Gilets jaunes ou les électeurs Rassemblement National dans le Pas-de-Calais, on a l'impression que les journalistes parisiens voyagent en terre inconnue. Oui, c'est vrai, ça. Donc ça va des deux côtés. D'accord. Mais sur la surreprésentation justement des invités et des intervenants qui vont avoir une idéologie de droite ou d'extrême droite, est-ce que vous considérez que CNews est une chaîne de droite ou d'extrême droite, vous ? Oui, mais je dirais qu'il n'y a pas de problème, comme il n'y a pas de problème à ce que le média soit une chaîne de gauche. Et alors, encore une fois, la comparaison, elle est pour moi pas juste. Non, parce que vous comparez deux choses qui sont incomparables. Et si un jour vous êtes sur la TNT, mais ne changez rien, restez comme vous êtes aussi. Je vous laisse poursuivre Fabrice et ensuite... Et juste peut-être aussi dire, moi, j'ai, en tant que journaliste, mais j'ai autant de plaisir à aller débattre... sur CNews qu'à les débats sur le média. Après, je vous avoue qu'il y a certains canaux horaires de CNews que j'évite parce que... Ah, mais en tout lesquels, cas... Lesquels, par exemple ? Bah, l'émission de Morandini, par exemple, j'irai pas, quoi. Ouais. Pourquoi ? Par rapport à sa condamnation, enfin, il a fait appel, non, mais c'est par rapport à ses affaires politiques, juridiques ? C'est juste que quand j'interviens, moi, j'aime bien parler de sujets que je maîtrise, donc des sujets essentiellement de politique nationale et qui sont jamais abordés sur cette émission. Et après, alors l'émission de Pascal Praud, c'est plus parce que quand on y est, en fait, c'est l'animateur qui parle. Ouais. On n'a pas trop la possibilité. Et puis on est aussi très vite étiqueté, même sur les autres. Vas-y, Anas. Non, mais il y a plusieurs choses. Mais déjà, enfin, c'est pas une question de quelle classe sociale viennent les journalistes. C'est une orientation politique qui est claire. Enfin, je veux dire, mais la classe sociale. Pour toi, CNews est une chaîne d'extrême droite. Non, mais la classe sociale, on peut venir d'une classe sociale et avoir et mettre sa lecture et son analyse au service du juste et non pas au service de l'injuste. Je veux dire, quand vous avez tous les journalistes de France et de Navarre qui considèrent que jamais ils n'évoquent les journalistes tués en Palestine, qui ne disent pas un mot, mais que derrière, dès qu'il y a un tweet, moi je suis pas mélenchoniste, je critique, je suis dans une autre organisation politique qui critique aussi les stratégies, les programmes et autres. Mais néanmoins, quand je vois par exemple ce que mange Jean-Luc Mélenchon sur un tweet de Rutel Krief où on fait des pieds et des mains et récupère même la patronne de la CGT qui vient en plus de ça soutenir Olivier Truchot et Rutel Krief, etc., il y a une conscience claire de classe affiché, d'accord, on sait ce qu'on dit, on sait la manière dont c'est fait, c'est orienté aussi volontairement pour que les sujets, ils aillent dans un sens. Moi, par exemple, je n'ai jamais eu qui que ce soit qui m'a dit « t'as pas le droit de dire ça, ou t'as ceci, ou t'as cela ». Par exemple, dans l'émission des Grandes Gueules, une fois, y avait un sujet sur le hijab, c'était sur le truc, le running, là, le foulard que faisait Décathlon. Décathlon ou Nike, ouais. Comment ça fonctionne dans les émissions type Grande Gueule ou autre, vous savez ce qui s'est discuté le soir, ça va tomber le matin. Le matin, dans les sujets, il n'y est pas. Pourquoi ? Moi, on m'a mis des sujets un peu ouvriers.
À qui on a mis le sujet islam? On l'a mis le lendemain parce qu'il y avait Zorabitan. Et qui connaît Zorabitan sait très bien que Zorabitan, c'est une farouche opposante à l'islam ici en France. C'est une porte-parole de l'islamophobie qui permet aussi un certain nombre de critiques et autres. Et ça a toujours été comme ça. Dès qu'il y a un sujet migrant, c'est Goldnadel, c'est que machin, etc. Et on arrange les plateaux en fonction de où on veut mener les choses et on les équilibre de ça. Moi, je mets au défi n'importe quel. J'ai pas besoin que l'émission soit de gauche ou je sais pas quoi. Ça, c'est du vent. Mettez juste un équilibre. Mmh. Vous avez 8 personnes autour du plateau, et ben mettez-en 4 de gauche et on va bien rigoler. Mmh. Et ça tient pas la route. Moi, je vous le dis, que ça soit les TPMP ou autre, ouais. Quand vous avez Cyril Hanouna qui monopolise 95% de l'auditoire et qui sait claquer des doigts, Gilles Verdez, machin, toi, tu voulais réagir, etc. Quand il sait comment reprendre, même quand... Je veux dire, Karim Zeribi, qui est... quelqu'un avec lesquels je ne suis pas d'accord politiquement sur énormément de choses. C'est quelqu'un qui fait partie un peu du sérail quand même de CNews. Il est chroniqueur là-bas depuis bien des sûr. Années. Il avait des billes dans Balance ton poste. Je veux dire, c'est un peu le poteau de Cyril Hanouna. Quand vous avez Karim Zeribi qui en vient à dire « Merde !» Je savais que c'était un traquenard, j'aurais jamais dû venir. Parce qu'il comprend la mécanique, il sait comment la mécanique vient. Il a compris qu'il est parti dire quelque chose dans une télévision algérienne et qu'on vient lui faire un conseil de discipline en pleine, avec un audimat qui est gigantesque. Et je termine là-dessus, ça n'a rien à voir de comparer le média avec des chaînes qui sont sur la TNT ou des grandes chaînes télé qui, je veux dire, les gens, ils ont qu'à allumer, zapper, etc. Tu ne zappes pas comme ça sur le média Blast ou autre. Et c'est nier les financements, c'est nier la manière dont les banques aussi, elles interdisent parfois, ne serait-ce que d'avoir un compte en banque, d'avoir des locaux, etc. Il y a énormément de choses, tu ne fais pas. Oui, et puis sur les condamnations, c'est important. Tu ne fais pas une chaîne, excusez-moi, mais j'oublierai jamais une loi qui a, heureusement, n'a jamais vu le jour, c'est la loi sécurité globale, qui a été vue uniquement pour faire en sorte que les médias que vous avez cités, et je peux mettre aussi le nôtre, Révolution Permanente, même si on est une organisation politique, on est un média aussi quotidien en ligne, etc. Je veux dire, quand vous avez le patron du RAID, ancien patron du RAID, rapporteur de la loi sécurité globale, et qui dit on a perdu la bataille de l'information au moment du mouvement des Gilets jaunes, parce qu'il a compris que les réseaux sociaux, les gens, ils filment et ils postent. Il n'y a pas de blablabla qui est chroniqueur, qui est machin. Et cette bataille de l'information, ils savent qu'ils l'ont perdue. Et moi, je suis désolé, je ne connais aucun journal, aucun média dans lequel on dit vive la grève, vive les grévistes, vous avez raison, continuez, pourquoi votre patron vous paye pas. Citez-moi un seul journaliste, Olivier Truchot, Rutel Krief, LCI, TF1, où vous avez un journaliste qui appelle Pouyanné ou qui appelle le patron de je ne sais quel de Stellantis, lui dire « Monsieur, est-ce que vous trouvez normal? Je viens de regarder la fiche de paye d'un de vos salariés, il touche 1400 balles, est-ce que vous trouvez normal de gagner 40 millions d'euros par an ?» Pourquoi on pose jamais ces questions-là? Là, on a eu l'exemple avec la SNCF. Farandou, il a dit qu'on était payé 4000 balles, alors tous les médias ont dit « Oui, mais Farandou, il a dit que vous étiez payé 4000 balles. » Mais pourquoi vous lui demandez pas pourquoi il touche 450 000 euros? C'est cette orientation qui n'est pas uniquement pour l'immigration, mais qui est pour tous les sujets qui est dans lesquels les classes populaires sont liées. Myriam, est-ce que vous voulez réagir? Je voulais dire quelque chose. Alors allez-y. Non, moi j'appelle. Allez-y, pas Fabrice. Je voulais ajouter quelque chose, mais pas réagir. Si, moi je veux réagir sur deux points. D'abord, il y a quand même. On parle de la liberté d'expression et médias. On a oublié quand même deux éléments. C'est les réseaux sociaux et c'est YouTube. Puis à moi, on a une ARCOM qui qu'est-ce qu'elle est, mais au moins elle est là. Aujourd'hui, on parle de liberté d'expression. S'il y a bien un domaine et un endroit où la liberté d'expression est en péril, c'est quand même sur les réseaux sociaux. On disait tout à l'heure que les réseaux sociaux, c'est l'endroit où on filme, où la formation brute, quelque part, les réseaux sociaux. Oui, et ben c'est eux qui sont menacés. Et finalement, on devrait s'en inquiéter, parce que c'est aussi un média. C'est aussi, effectivement, une autre façon de faire de la télé. YouTube, X, tout ça. Quand on voit ce qui tombe sur Musk en ce moment... Ça doit nous interroger sur ce qui reste de la liberté d'expression. Et je suis beaucoup plus inquiet sur ce recul-là de la liberté d'expression que sur le problème de CNews et du temps de parole. Justement, est-ce que CNews ne doit pas finalement être sur YouTube? Est-ce que pour faire ce qu'il fait aujourd'hui, il ne devrait pas être totalement indépendant et être sur les réseaux sociaux? Peut-être. En fait, mais vous touchez du doigt une difficulté finalement avec laquelle on peut être d'accord. C'est que, est-ce que CNews est un média d'information? Si vous me posez la question, je vous réponds non. Mais ils ont le droit de ne pas être un média d'information. Le problème, c'est qu'ils ont... Enfin non, ils n'ont pas le droit, justement. Non, aujourd'hui, ils ne peuvent pas. Ils ont le droit moral de ne pas être un média... Mais légal, non. Mais légal, aujourd'hui, c'est ça le débat, en fait. Non. C'est que... Alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que le système est bon? À mon avis, non.
Mais parce que je suis assez d'accord avec Lucas sur le fait qu'il vous faut un pluralisme un peu différent. Mais le fait est que je pense que peut-être la société aujourd'hui ne veut plus de médias d'information. Elle veut juste des médias d'opinion. Et qu'en fait, c'est pas vrai. Moi, vraiment, je pense que c'est pareil pour vous. Quand on discute avec les gens, que ce soit dans notre village d'enfance, à Paris, avec notre patron, avec des plus jeunes, on est tous avides de débat. Enfin, moi, j'ai cette impression. C'est pas de l'information. Ce qu'ils veulent, c'est du clash. Non, mais bien sûr. Qui a fait tomber Oudéa Castéra? Mais attendez. Qui a fait tomber Oudéa Castéra? C'est une journaliste de Mediapart qui pose la question. C'est pas TF1 ou LCI. Attendez. Non, ça, c'est pas du débat, ça. Non. Vous avez dit, les gens, ils cherchent du clash, ils cherchent pas de l'information. Non, mais... Je suis désolé. Si on avait. Oublions Mediapart. Oublions l'investigation, les caches investigation et compagnie. Si vous avez que ces news et autres, Madame Oudéa Castéra, elle vit sa meilleure vie pendant je ne sais pas combien d'années. J'ai une question à vous poser dans ces cas-là. Comment vous expliquez les parts d'audience de ces news? Pourquoi une émission où il n'y a pas de débat, où effectivement, finalement, il n'y a pas d'information, arrive toujours en tête des parts d'audience? Mais c'est une bonne question. Mais les gens ralentissent sur le périphérique pour garder s'il n'y a pas un bout de cadavre est-ce que c'est pas le phénomène de la femme à barbe? Est-ce qu'ils ne le regardent pas justement parce que c'est toujours plus dégueulasse? Non mais arrêtez, je veux dire, là vous prenez juste les Français pour des cons, c'est pas très sympa. Peut-être qu'ils y trouvent là quelque chose. Pas con, mais voyeuriste. Moi je vous dirais, mais regardez les audiences des entretiens de Thinkerview, des entretiens de Livre Noir sur un autre bord, ça marche énormément. Et là, qu'on soit d'accord ou pas, les gens ont le temps de s'exprimer, de parler. Regardez les succès. Même moi, qui ne suis pas du tout politiquement proche de ce journal, je regarde à chaque fois les émissions de Usul et Louni sur Blast, parce que je trouve ça très intéressant. Et je regarde aussi Livre Noir. Et en vrai, sur les réseaux sociaux, on a une offre, une pluralité, une capacité de débat qui est quand même assez intéressante. Myriam, moi, je voulais juste ajouter... L'importance d'éduquer tôt. Ajouter un élément, c'est... Mais c'est vrai que c'est différent d'aller le chercher, qu'il vienne, il s'impose dans notre salon, sur la télé. Ta Freebox et... Ouais. Alors, Myriam... c'est juste ce commentaire que je voulais à tout prix faire, allez-y, je vous en prie. Je voulais juste ajouter un élément au débat, c'est les choix des sujets et l'invisibilisation de certains sujets. Par exemple, Arrêt sur image a fait une petite enquête durant le mois de février, je crois. Et sur 29 heures de journal télé de TF1 et France 2, pour sortir de CNews, etc., il y a eu 5 minutes sur les Gazaouis, sur les deux JT pendant 29 heures. Voilà, donc l'invisibilisation de certains sujets, elle est aussi entendue. C'est-à-dire que c'est comme si ça n'existait pas. C'est comme tout à l'heure ce qu'on disait sur les économistes qui ne sont pas libéraux. Il y a plein de sujets... On a un contraste avec les réseaux sociaux et c'est ça qui est d'autant plus frappant. C'est qu'on voit toutes ces vidéos sur les réseaux sociaux et qui ne sont pas documentées dans les chaînes info. Oui, mais comme vous disiez, ce sont des chaînes qui sont censées être des chaînes d'information. Il y a beaucoup d'informations qui manquent, en fait. Il y a ce qui est traité et qui est traité de manière biaisée, toujours plus ou moins en accord orienté avec la politique minimum. Gouvernementale. C'est pas même CNews, en fait, ils s'auto-influencent les uns les autres. Finalement, vous voyez bien que le gouvernement est très... Ça va avec CNews. Mais je veux dire, tout ça participe de quelque chose que moi, je qualifierais de, disons, mainstream, dominant, impérialiste, libéral, capitaliste. Et il y a tout un tas de sujets qui intéressent beaucoup les gens et qui devraient, en fait, qu'on devrait bien les sûr. Intéresser à ces bien sujets-là qui n'existent pas. Par exemple, le Sud global, il y a un autre monde que les États-Unis et l'Occident. Il y a un monde entier, une planète entière où il se passe plein de choses. Moi, je m'intéresse énormément à l'Amérique latine. Il se passe énormément de choses sur ce continent. Vous entendez parler de l'Amérique latine? À quel moment vous entendez parler de l'Amérique latine dans les équipes de foot? On n'a pas ces avis. Tout ce qui est les BRICS, les contre-pouvoirs, le monde multilatéral qui est en train de se créer, toutes les forces, etc., qui sont en train de se créer, ça n'existe pas. Il n'y a que Washington, l'Europe, l'Union européenne, etc. Juste un tout petit mot, c'est que c'est très intéressant, parce qu'on voit qu'en fait, ce que vous décrivez, c'est qu'il y a un monde en dehors de la télé, en fait, finalement. Et ça me fait penser à cette émission, enfin, à cette phrase de Cyril qui dit tout le temps, en fin d'émission, c'est que de la télé. Et c'est peut-être ça, le problème, en fait. C'est que la télé n'est devenue que de la télé, en fait. Mornia, et ensuite Lucas. Et on va revenir à l'émission de TPMP, justement, on va se poser une petite question, on a fait une petite étude dessus, on va... Pour réagir à ce que disait Myriam, du coup, moi, je
plus soi, comme dirait l'autre. Mais quand même, il ne faut pas tout mélanger. C'est-à-dire qu'encore une fois, quand on fait de la télé, on vise une certaine catégorie de personnes. Est-ce que ces médias font de l'information ? Non. Et je pense qu'ils le savent. C'est leur ligne. C'est l'impact sur la société, sur le système. Il est factuel, il est effectif. Ils le savent, puisqu'il y a des condamnations. Ils le savent, parce qu'il y a des analyses et des études. Les effets en termes de vote politique, ils les connaissent. Les effets en termes de montée, de détestation de l'autre, de l'islam, ils les connaissent. Et il y a un autre effet qui est quand même pas neutre. Tout à l'heure, tu parlais d'éducation. C'est aussi fait pour déséduquer, si je puis dire, les gens, les déstructurer, les gens. C'est-à-dire que quand on matraque à longueur de journée, parce que, et une certaine catégorie de population, par ailleurs, il ne faut pas mélanger, Blast, CNews, France Inter, c'est pas la même chose. Il y a plein de gens qui n'écoutent pas. Non, mais il y a plein de gens qui n'écoutent pas la radio. Et il y a plein de gens qui lisent pas Blast, enfin. Tu sais que cette histoire, les gens qui regardent la télé, on sait qui ils sont. Et du coup, c'est pas. Bah, souvent, ce sont les classes les plus populaires. C'est un tout petit peu méprisant de dire ça. Non, pas du tout. Ah bah moi, je suis. Pardon, mais quand même. C'est pas du tout. Mais moi, j'aime beaucoup les classes populaires. Non, mais attends, pardon. Mais les parts de marché qui sont. Franchement. Bah, quand même. Ah, mais non. On entend plus de télé chez le voisin quand on vit dans les quartiers populaires que dans le 16e. Dans le 16e. Dès que la télé, elle est un peu forte, on vient toquer à la porte. Non, plus, j'ai aucun sujet. Je pense que ça se vérifie par des chiffres. Qui lit la presse écrite, qui regarde la télé, qui. Il n'y a même pas de sujet. Ça, c'est. Et en plus, moi, je suis, encore une fois, une enfant télé. Je n'ai aucun problème avec ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas neutre, et c'est aussi des machines de guerre qui sont pensées pour que les gens soient ou dépolitisés pour certaines catégories ou très politisés pour une autre, mais orientés. C'est vrai de la presse en général. Mais oui. Mais oui, mais quand bien sûr, mais on peut ne pas faire aussi cette émission et dire la société a fait ça et ma foi. Mais on a quand même, enfin, il y a une étude des Sleeping Giants qui a été faite justement, qui a compté le nombre de bandeaux entre janvier et décembre 2023. On voit que il y a d'énormes pics sur les thèmes immigration, islam. Quand on a une chaîne qui passe son temps à dire immigration, violence, banlieue, islam, au bout d'un moment, les gens finissent par croire que les gens, qui sont violents, enfin les gens issus de l'immigration deviennent un danger. Fabrice, vous n'êtes pas d'accord ? Non, parce que je crois qu'en fait, ce qui vous manque, une donnée. Est-ce qu'on peut avoir le petit, justement, en visuel de Sleeping Giants, s'il vous plaît ? Juste très rapidement, première question. Pourquoi je suis pas d'accord ? Parce que je pense qu'il vous manque une donnée. Si je peux répondre très rapidement. Ah oui, bien sûr. Ouais. Non, fait, je parlais juste du graphique. Je crois pas du tout. Typiquement, comment je vais dire ça ? En fait, simplement, comme c'est un média d'opinion, je ne vais pas aller chercher une information. Mais il n'assume pas d'être un média d'opinion. Non, arrêtez tous. Il y a deux minutes. Non, mais oui, on peut parler dans le réel entre nous. Mais eux disent que non. On est dans le réel. Ils étaient encore aujourd'hui. Non, mais encore une fois, je veux dire, on est dans le réel. Ils s'en défendent, en tout cas. Si vous voulez, ils peuvent s'en défendre tout ce qu'ils veulent. Mais à un moment donné, c'est un fait. Je comprends pourquoi ils vous invitent plus. Non, mais. C'est que vous l'avez acté, quoi. C'est fait. Moi, j'ai acté depuis longtemps que c'est un média d'opinion, c'est comme ça. Alors, vous avez raison, sur le plan de la charte, machin, ça, c'est un autre débat. Mais à un moment donné, moi, j'ai pas de problème à ce que ce soit un média d'opinion. Enfin, j'ai un problème. Évidemment, en tant que juriste, mais je veux dire, je suis pas choqué par le fait qu'on a mis des opinions. Et je vais vous dire, moi, je suis choqué par des gens qui respectent pas la loi. Quand même. Non, mais ça, c'est un autre débat. C'est ce que je vous ai dit. Mmh. C'est un autre débat. Mais qui pointe du doigt les soi-disant personnes qui ne pas ça. Sur le réel. Ce que je cherche. Mais enfin, là où quand même, il y a deux sujets rapides. Un, c'est que sur le fait que on va pas. Là où je suis pas d'accord avec vous sur un point, c'est que là où je voudrais un peu pousser un peu quand même. Vous êtes en train d'essayer de dire que, au fond, la violence sociétale à laquelle on, et notamment contre les musulmans à laquelle on assiste, finalement, CNews en serait responsable. C'est interdépendant. Non, mais je veux dire, bientôt vous allez effectivement. Attention, parce que là, il y a quand même une ligne à pas franchir. Vous prêtez à une chaîne, finalement, et donc à ses spectateurs, des intentions. Qui est notamment des actes. En tout cas, elle y participe. Je pense que d'un de ses protagonistes dans. Et alors, dans... Ah, mais il y en a plein. Non, mais je pense que même vous, depuis que vous défendez justement les Palestiniens et les Gazaouis, je pense que même vous, et moi j'ai vu moi-même des tweets qui vous traitent d'islamistes. Donc même vous, aujourd'hui, vous êtes victime d'une islamophobie qui est quand même. Qui est incroyable. Vraiment, il faut voir les tweets qui se prennent. Moi, ce que je crois surtout, c'est qu'au fond, on ne regarde qu'un média avec lequel on est bien.
Ce que je veux dire, c'est que si on regarde CNews, bah c'est pourquoi le public de CNews et de BFM est tout à fait le même ? Bah peut-être parce que les lignes éditoriales ne sont pas tout à fait les mêmes et on ne se pose pas la question, je termine juste sur ce point, vraiment très rapidement. Encore une fois, hein, je trouve que là où on est dur, et vous êtes dur quand même avec CNews, contre lequel bon, je m'en fous de CNews, je vous l'ai dit. Non mais c'est vrai, en plus, en soi, c'est un média d'opinion pour moi, donc je n'ai pas de problème. Mais quand même, moi, je suis vachement inquiet aussi, et pardon de le redire, hein, sur le fait que le groupe Altice ait quand même dépêché son numéro 2 à la campagne d'Emmanuel Macron. Totalement d'accord. Bon. Mais cette ouverture de brèche, il ne faut pas croire qu'il y a une envie uniquement de réprimer CNews. Parce qu'il y a des gens qui voient justement France Inter comme un média de gauche. Ce n'est pas du tout l'analyse que des gens comme moi ou d'autres peuvent faire. C'est-à-dire que moi, je serais très content quand ils vont imposer à France Inter aussi de recevoir des vraies personnalités de gauche. Et s'ils doivent recevoir Zemmour ou d'autres personnes en face, il n'y a pas de problème. Ça ne marchera pas, votre truc. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi cette volonté ? Moi, j'ai l'impression que CNews cherche volontairement, quand ils mettent des Zemmour et d'autres qui ont des discours qui sont des appels à la haine factuels contre une partie de la population, est-ce que, en choquant justement les gens avec ce genre de paroles, est-ce que ce n'est pas leur moyen de faire leur pub ? Parce qu'on peut dire « je ne regarde pas CNews », mais quand il y a un gars qui insulte des gens à qui tu ressembles ou que c'est fait du matin au soir ou que les bandeaux sont répétitifs, moi, au bout d'un moment, même si on me dit « ne dénonce pas CNews, tu participes à leur communication », je suis désolé, je suis obligé de le faire. Ça en va de mon devoir de citoyen. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Myriam, si vous avez un avis là-dessus. Alors, moi, je répète ce que j'ai dit au début, c'est que j'ai beaucoup de mal avec la censure. Moi, je viens d'ailleurs d'un média qui a été censuré, figurez-vous. J'ai travaillé pour RT France. Pendant plusieurs années, j'ai travaillé donc pour cette chaîne qui était financée par l'État russe et dans laquelle il y avait un vrai pluralisme. Et ça, c'est pour ça que la comparaison. D'ailleurs, elle a eu un avertissement de la qui était le CSA à l'époque, mais pour une histoire de traduction mal placée simplement. Et d'ailleurs, on a reproché, on a fermé RT parce qu'on disait que il reprenait la propagande russe. Oui, au moment de la guerre en Ukraine. Chose qu'on peut voir tous les jours sur I24 ou sur BFM et ils n'ont jamais. Voilà. Bah là, il y a deux poids, deux mesures comme d'hab, quoi, qu'on devrait inscrire sur tous les frontons de la République. Le deux poids, deux mesures, c'est pratiquement devenu la devise des gouvernements que nous avons. Par rapport à RT France, nous, on l'a vécu comme une très grande injustice parce qu'il y avait vraiment une rédaction incroyable. En tout cas, je travaillais au service web et je n'ai jamais vu justement un tel pluralisme. C'était une très riche expérience pour moi parce que c'était une équipe extraordinaire, vraiment, au sens propre, extraordinaire, dans le sens, on avait vraiment tout l'échiquier politique. Il y avait des gens donc, très à gauche comme moi jusqu'à l'extrême droite, des gens qui votaient Zemmour. Et on devait travailler ensemble et c'était super intéressant, super intéressant. Moi, ça m'a appris beaucoup en termes d'échanges, etc. C'était vraiment très intéressant. C'était une chaîne qui appartenait aussi au Kremlin, à la différence de CNews. Oui, elle avait clairement un parti pris pro-russe, contre, il y avait vraiment tous les points de vue. Qui était financé par l'État par la Russie, russe. Oui, donc, oui. Alors, ce n'est pas le cas de I24 News, mais par contre, en termes de propagande pro-israélienne, elle n'est pas financée directement par Israël, mais par... Elle n'arrive même pas à l'orteil en termes de propagande de I24 News. Une fondation. Si vous voulez réagir. Oui, je voulais rebondir sur ce que disait Myriam un petit peu avant, il y a quelques minutes. On a peut-être un peu dépassé le sujet. Non, c'est pas grave, allez-y, je vous en prie. Quand vous disiez, effectivement, on ne parle pas assez du Sud global, on ne parle pas assez de grands sujets, par exemple, aux 20h de France 2, CF1, François, c'est tout à fait vrai. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que le public moyen de ces chaînes et du 20h, c'est plus de 60 ans. Et en fait, l'organisation des sujets de CJT, en fait, il n'y a rien au hasard. C'est-à-dire qu'on regarde les audiences, on regarde les analytiques et on regarde ce qui plaît aux gens. Et en fait, après on chaque... a des audiences détaillées qui nous disent seconde par seconde, on connaît les pics, et pire encore, etc. Ou mieux encore, chaque semaine, il y a des cabinets qui font des études qualitatives avec les téléspectateurs en leur disant qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce que vous voulez voir. Et en fait, ce qui ressort le plus, c'est moi, je veux quelque chose qui se passe chez moi, près de chez moi. Et par exemple, quand on parlait de la grève de la SNCF, le sujet qui revenait le plus dans ces médias, c'était pas pourquoi une grève, c'était pas
la vision libérale, est-ce qu'il faut interdire le droit de grève, mais c'était, on va partir à la rencontre de personnes qui ont réservé des billets de train, qui n'ont pas pu partir, sur une compagnie de bus qui a fait un chiffre d'affaires record grâce à la grève. Bah, de toute façon, c'est la météo qui marche le mieux, c'est ce qui est top en audience, c'est ce qui concerne tout le monde. Attendez, j'aimerais juste qu'on avance un tout petit peu dans le débat, et puis je vous laisserai commenter ce qui vient d'être dit, parce qu'il s'est quand même passé une dinguerie dont tout le monde a parlé là récemment. C'était dimanche à 13h, Enquête d'esprit, qui nous présente l'IVG. Voilà, on va regarder un petit extrait rapide et puis ensuite on commente. Nous parlons aujourd'hui dans Enquête d'esprit d'un sujet sensible, douloureux, l'avortement et ce qu'en dit l'Église. Nous allons laisser de côté pour l'instant le débat politique et partisan pour nous intéresser au fond du sujet, à sa dimension humaine et spirituelle. On en parle avec nos invités. Au fond de chaque femme, il y a je pense, le désir de donner la vie. Et donc avorter, c'est contraire à la mission de la femme. Et qu'on soit croyante ou non, qu'on ait une religion ou non, c'est universel. La femme est heureuse de donner la vie. Il y a une insatiabilité des promoteurs de l'avortement qui voient tout par le prisme de la femme, comme si la femme pouvait être totalement supérieure à son propre corps, à sa propre nature. Je suis toujours choquée par le combat finalement mené par des femmes qui, bon, parfois se battent pour ce droit à l'avortement, mais elles sont vivantes. Je suis vivante et moi je suis heureuse d'être vivante. C'est important de se rappeler que le principe « tu ne tueras pas » n'est pas réservé aux croyants. Ce principe vaut aussi pour la mère et l'enfant, évidemment. La vie, c'est magnifique, c'est merveilleux, c'est un don de Dieu. Il y a tellement de femmes aujourd'hui qui aimeraient avoir un enfant, qui ne peuvent pas. Les jeunes filles aujourd'hui sont très informées, donc j'ai envie de leur dire « faites attention à vous hein. ». Ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit, nous dit saint Paul. Donc, et j'ai envie de leur dire « attention, l'avortement est une blessure du corps, du psychisme et de l'âme ». Enfin voilà, dimanche à 13h, on entend des choses comme ça et je vais vous lire la réaction de Gérald Brice-Viret, qui est le patron du groupe Canal+, donc tous, CNews, C8, Canal, et responsable des programmes. Donc il a dit « Nous présentons nos excuses aux téléspectateurs de CNews pour la diffusion hier suite à une erreur technique. » Je ne sais pas si vous avez pu consulter une erreur technique ici, ça m'a l'air très limpide. « De la séquence mentionnée ci-dessous, celle-ci avait précisément été supprimée lors du montage final et n'aurait dû dû jamais être diffusé, voilà. Et ils ont été entendus aujourd'hui. Donc il y a une enquête parlementaire qui est menée par un député macroniste qui a entendu les responsables de aujourd'hui du groupe Canal+ et qui ont répété à peu de choses près la même chose. Mais sur ce genre d'erreur, c'est quand même. Enfin, je ne sais pas si on peut parler d'une erreur, mais c'est quand même incroyable. Qu'est-ce qui vous choque là-dedans? Au sens littéral, je veux dire, qu'est-ce qui est choquant? Le fond, le fait que ce soit sur CNews, la forme, qu'est-ce qui est choquant? Le fait que ce soit faux, en fait, 73 millions c'est pas 73 millions de personnes qui meurent, c'est 73 millions de femmes qui ont eu recours à l'IVG. Donc ça aurait été s'ils avaient rappelé que l'ONU dit qu'il y a à peu près 800 millions de femmes qui sont violées chaque année. Il y a aussi sais combien de milliers de femmes qui meurent chaque année à cause d'IVG, pratiquent l'IVG dans des situations qui ne sont pas hygiéniques. Effectivement, vous voyez bien qu'à un moment donné, on a tous une ligne rouge. Vous voyez ce que je vous disais? C'est-à-dire que moi, ces propos, pardon, mais ils ne me choquent pas. Ils ne me choquent pas. Dire. Alors après, est-ce qu'ils ont leur place sur CNews, machin, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. C'est pour ça que je vous dis qu'est-ce qui me choque. Est-ce que vous me demandez si le propos est factuellement vrai? Est-ce qu'il y a bien 73 millions d'embryons, d'enfants qui sont tués, qui sont effectivement avortés? La réponse est oui. Alors ça, c'est vrai. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Vas-y, Anas. Après, vous avez le droit d'être contre l'IVG. C'est pas vrai, contre l'IVG, c'est pas ça. Si. Non, mais c'est là, non, mais... Vous êtes un peu contre l'IVG bien aussi. Bien sûr, mais c'est pas ça le débat. Mais c'est pas ça le débat. Bah si, c'est ça le débat. Non, c'est pas ça, je savais pas que vous étiez. Bah si, il est contre. Si, il y a un portrait de Fabrice Divisio dans l'Express où il explique clairement qu'il est opposé à l'IVG. C'est une erreur technique. Mais bon, c'est pour ça. Mais c'est factuellement faux. Ce n'est pas la cause de mortalité. Pour mourir, il faut naître. C'est un peu compliqué. Vas-y, Anas. Et que l'objectif de CNews à travers cette émission-là, enfin, ils ont fait, moi j'ai regardé toute la commission parlementaire tout à l'heure, ils assument très clairement le fait qu'il n'y ait aucune pluralité, déjà même religieuse, c'est-à-dire qu'ils ont dit qu'ils font le choix
clairement de s'adresser aux catholiques de France. C'est pas, ils disent pas, vous êtes tombé ce dimanche-là, c'était les chrétiens, le dimanche prochain c'est les juifs, le dimanche d'après, etc., etc. Non, ils assument très clairement parce que c'est la ligne politique de cathos réactionnaires, etc., qui est Vincent Bolloré, qui est un profond militant impérialiste français. Je veux dire, la richesse de Vincent Bolloré, elle se fait autour du pillage du sol africain. Il a détenu plus de une quarantaine de ports. Il a détenu des lignes entières de ferroviaires en Afrique. Il a investi, des hectares de forêts dans lesquelles ce sont des enfants qui travaillent. Il a été dans le caoutchouc, dans la cacao, etc., etc., dans le tabac, et j'en passe. C'est-à-dire que c'est une personne qui a une ligne profondément liée à ceux qui rêvent de la vieille France, comme Éric Zemmour. C'est pour ça que je vous invite à lire le papier dans Le Monde sur la manière dont Bolloré a misé sur Éric Zemmour et qu'aujourd'hui il considère que c'est fini, Éric Zemmour ne gagnera jamais, qu'ils sont en train de réfléchir à une nouvelle stratégie et savoir sur qui ils vont miser. Mais c'est une ligne claire, c'est-à-dire que c'est un média qui n'assume pas d'une part de faire de l'opinion. Aujourd'hui, dans la commission parlementaire, ils ont répété en permanence qu'ils faisaient, que c'était un média d'information comme tous les autres médias. Donc il y a une idéologie qui est une idéologie bourgeoise, colonial, qui participe à l'ensemble du maintien des oppressions, et notamment, excusez-moi, mais la question de l'IVG, etc., c'est une des oppressions patriarcales les plus importantes. Et dire cela en 2024, pas à n'importe quel moment, c'est-à-dire à quelques jours de la constitutionnalisation de l'IVG et du vote au Sénat, je veux dire, c'est pas des lapins de 6 semaines. Lorsque Pascal Praud dit que les punaises de lit, il faudrait voir si ça n'a pas un lien avec l'immigration, ce n'est pas des lapins de 6 semaines. Lorsque Zemmour dit qu'il n'y a rien de pire que les délinquants, etc., que c'est tous des violeurs et des délinquants, il n'y a rien de pire. C'est-à-dire que, et vous savez, même s'ils payent des amendes, lorsque vous êtes milliardaire, d'accord, et que vous avez une fois de temps en temps des amendes, c'est pas très problématique. Et excuse-moi parce que j'ai laissé tout à l'heure un long tour de parole, il y avait plein de choses qui se disaient. Mais la question n'est pas uniquement celle de CNews. Parce que oui, le groupe Altice, BFM TV, Drahi, etc., il a mis plus de 7 millions d'euros dans une base remise en forme pour les militaires de Tsahal, je veux dire, à un moment donné. Donc oui, ils sont tous responsables. TF1, c'était Martin Bouygues, etc., je veux dire. Et puis le service public, c'était lié aussi au ministère de la Culture et au gouvernement de manière générale. C'est-à-dire que vous prenez l'ensemble des chaînes. L'ensemble des chaînes, elles ne parlent pas de la vie des gens qui malheureusement la regardent, parce que c'est un fait, c'est factuel, c'est les classes populaires. Ce sont ceux qui, à la fin d'une journée harassante de travail, se connectent, regardent la télé, etc., devant la tambouille et autres. Je veux dire, à un moment donné, c'est un fait. Et quand vous regardez la composition des médias et la manière dont c'est fait, ils cherchent à orienter pertinemment la question. Elle n'est pas de parler d'immigration ou de parler de sujets divers et variés. Mais quand vous regardez que les préoccupations premières de l'ensemble de la population française, c'est la question de l'inflation, c'est la question des salaires, etc. Lorsque vous regardez celui de la jeunesse, c'est celui du climat, etc. Qu'est-ce qu'a fait CNews hier comme, ou avant-hier, comme quasiment toute la matinée, le tweet de la députée ou je ne sais quoi là, sur le chien dans le TGV. Oui. Et ils ont fait 4 heures sur ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'arrivent même pas à becter à la fin du mois, qui sont dans le rouge dès le versement de leur salaire, et on parle jamais d'eux. On parle jamais de ces différences-là, des problématiques que les gens vivent au quotidien, des logements insalubres, du fait qu'il y a beaucoup de sujets qu'ils ne veulent pas. Et je ne suis pas d'accord sur le fait qu'on considère que les gens ils kiffent que le clash. Si les gens, ils avaient de la première chaîne à la dernière des reportages qui vont aller chercher quels sont les accidents du travail. Vous savez qu'il y a par exemple, en 2023, il y a eu 900 morts d'accidents du travail. 900 travailleurs, c'est-à-dire chaque jour, il y a 3 travailleurs qui meurent. Personne n'en parle. Il faut aller chercher un petit média ou un petit journal qui s'est donné la peine d'aller chercher. Et à chaque fois, pardon, la dernière phrase, à chaque fois qu'on voit, dès qu'il y a un tout petit peu d'investigation, je vais prendre Cache Investigation ou complément d'enquête. Après, je suis pas d'accord avec tous les trucs, la manière dont c'est fait. Mais regardez, ne serait-ce que dès qu'on commence un tout petit peu à fouiller quelque chose,
Dès qu'il y a une clé USB, comme dit Élise Lucet, qui est arrivée par un pigeon voyageur, et quand on sort des choses, on voit comment, déjà, ça change. Les gens, ils disent « Ah ouais, en fait, c'est ça ce qui se passe. Ben, je vis la même chose dans mon entreprise. » Et ça, on ne veut pas en parler. Tant qu'on dit aux gens « Le problème, c'est l'immigration. Le problème, c'est les musulmans. Le problème, c'est les soutiens à la Palestine, etc. » De la même manière, Fabrice Divisio, qu'on le disait pour les Gilets jaunes. On disait que c'était des casseurs. Et on avait qui, en permanence, au moment du mouvement des Gilets jaunes, monsieur Stéphane Rizet, c'est ça, celui qui a le crâne rasé, qui est spécialiste police-justice. Ouais, ouais. Voilà, Dominique Rizet qui est en train de commenter en permanence. Voilà, à regarder. Là, il y a une bavure, c'est vrai, alors, mais là, il y a aussi une attaque. C'est ça le problème. Et il faut le dénoncer avec clarté. Mornia, juste parce que, bon, moi, j'ai été quand même ultra choqué, même si je connais Maître Divisio, mais qu'il soit contre l'IVG, je ne le savais pas. Votre réaction à. À quoi? À ce que. Oui. À la position oui, de. Oui, mon... oui, oui, qu'il ne trouve pas choquant ce genre de messages sur CNews à 13h le dimanche. Je ne suis pas jugeante. Je n'ai pas dit sur CNews. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Alors, je réponds et après, si vous voulez. Vous, bon, moi, je ne vais pas juger mon collègue à gauche. J'ai bien conscience dans ma vie tous les jours et au quotidien qu'il y a une ribambelle de gens qui ne pensent pas comme moi. Donc voilà, si je devais être jugeante et donc générer de la malveillance ou même des sentiments très négatifs, je pourrais plus vivre et ça serait la fin de ma vie. Vous devriez être la directrice des programmes de CNews, en fait. Ah bah, je pense que ça aurait une autre gueule que ça, quand on même. Aurait plus, hein. On aurait plus de plus. Bon, ensuite... Qu'est-ce qu'a dit Marnier? J'ai pas... Tu dit que tu étais aussi contre l'IVG. Non, mais elle a dit qu'elle ne le jugeait pas. Non, je suis par contre. Bien sûr que si, il faut critiquer. Je suis désolée. Non, mais... C'est profondément, il y a des femmes qui meurent. Non, mais attends, c'est terrible. Il y a aussi des enfants qui meurent. Non, mais je termine. Mais non, c'est pas des Merci, enfants. Merci, messieurs. Puis-je terminer mon propos? Moi, j'essaie de rester rationnelle dans ma vie au quotidien. Et comme nous ne sommes pas forcément des amis et que nous ne sommes pas au troquet et nous sommes sur un média, je dis simplement que on vient là, quand on voit cette séquence, on voit bien à quel point donc cette chaîne fait de la propagande. Mmh. Elle passe. Non, mais après, c'est pas... Voilà, on c'est en l'opinion. Pense... Mais de illégal là. Non, de présenter... Attendez, mais laissez-moi terminer, quand même. De la propagande, avec cette idée, les mots ont un sens. Évidemment qu'il n'y a pas d'erreur technique. Si le mot « avorté » existe, c'est que ça a un sens. On est c'est sur que... une chaîne d'info. On est... Merde, non, mais mis à part ce constat, c'est que ça a un sens. Des gens se sont battus, des femmes se sont battues pour ce droit à l'avortement. Donc, évidemment que ça se sacralise, en tout cas pour moi. Après... je suis stupéfaite. Là, pour le coup, je suis vraiment stupéfaite sur l'analyse qu'on peut en faire. Ces mêmes personnes, et les gens nous regardent là, sont capables de dire sur la même chaîne, en tout cas de faire passer ce genre de discours. Voilà, moi, en tout cas, je ne suis pas d'accord avec ces discours-là, évidemment. Mais en même temps, rendre honneur et faire hommage à Simone Veil. En évoquant dans la... Mais tellement grossier... Et prenant vraiment les gens. Oui. Mais c'est pour ça que je vous dis que c'est très grave ce qui est en train de se passer. Oui. Pour moi, les chaînes de fausses informations ont eu trop de liberté, mais pas dans le sens où il faudrait les contraindre. C'est qu'il aurait fallu qu'il y ait clairement des cadres qui soient imposés à eux comme ça s'impose à tout le monde, mais pas liberticides. Mm-hmm. Mais j'ai envie de dire à minima qui permettent... Des valeurs qui peut-être sont... Peut-être indépendants, peut-être que les responsables ne devraient pas ça être nommés par Bolloré bah, ou ça par c'est sûr, Drahi. Mais là, on est dans... Vraiment, mais la pire des bassesses, quoi. Juste, oui. Voilà. J'aimerais bien la réaction de Myriam par rapport à ce propos, si vous le souhaitez, par rapport au propos de Maître Divisio. Alors, Lucas, il n'y a pas de problème. De toute façon, on va passer à Gaza juste mais après. C'est pas très sympa de monter le sujet, nos collègues, quand même. Sur la question de l'avortement. Alors moi, il y a quelque chose que je trouve... fantastique dans cette séquence, c'est que vous disiez tout à l'heure que les rédactions de CNews et du groupe Bolloré marchaient à la schlag. Et là, suite à ces chiffres, vous avez quand même beaucoup de journalistes de la chaîne comme Sonia Mabrouk ou je crois Laurence Ferrari qui se sont désolidarisés. Ce qui prouve quand même qu'en interne, on évoquait l'action des lignes rouges, il y a quand même des lignes rouges. Et à mon avis, il n'y aura pas de nouveaux chiffres de ce type. Et du reste, si on part du principe que Bolloré est un stratège de la droite,
Je voudrais juste rappeler... Non, mais parce que ça sert, je suis désolé, mais... ça sert. Non. Fabrice Divisio vient d'en faire la démonstration, je veux dire, ça ne le choque pas. Oui. C'est-à-dire que ça participe à cette frange de gens qui considèrent qu'on ne peut plus rien dire. Et regardez, c'est les lobbies LGBT, c'est les lobbies féministes de merde qui empêchent... Mais c'est ça le fond. Le fond, c'est ça. De ce que dit Fabrice. Non, parce que le fond de ça, c'est-à-dire que quand on fait passer une chose et qu'on rétropédale, elle est passée. C'est-à-dire qu'elle a été maîtrisée. Je veux dire que c'est pas. Ils disent même pire que ça. Le patron de CNews, il dit c'est que c'est juste le montage avec les chiffres qui a été supprimé deux fois. Le reste, la parole, le fait que le commentateur le dise, ça ne les dérange pas. Le problème est que ils ont fait une tentative. S'il faut payer 300 000, 200 000 euros d'amende, ils le feront et ça ne change rien. Mais ça permettra aux gens, de la même manière que Fabrice Divisio vient de le dire là, c'est-à-dire sur la question que ça ne le choque pas, parce que lui, il considère qu'il y a. Il y a à boire et à manger sur la question de l'IVG et qu'il n'est pas favorable, ça participe à toutes ces personnes-là qui disent finalement, peut-être qu'ils ont le droit en fait, de s'exprimer et qu'on les empêche de pouvoir dire que l'IVG c'est mal. Je vous laisse terminer, Lucas. Alors que c'est un combat dans lequel je veux dire. Finir ce que je veux dire. Donc, oui, c'est un combat important du féminisme. Si Fabrice Divisio adhère peut-être à cette question de l'IVG. Peut-être juste rappeler, parce que moi aussi j'avais lu le portrait de l'Express, donc même s'il n'y avait pas des. Peut-être que des trucs vrais. Donc vous êtes, si j'ai bien compris, plutôt catholique pratiquant. Oui. Voilà. Mais les catholiques pratiquants... Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais catholiques pratiquants sont quand même minoritaires en France aujourd'hui. Si le but de Bolloré est justement de conquérir les masses, d'avoir le pouvoir, il n'avait rien à gagner à sortir cette séquence. Et je voulais juste rappeler... Donc ça, c'est un fait vraiment de sondage, parce que les sondages, c'est mon dada. Ce qui a niqué, en fait, LR et la droite, c'est qu'ils ont perdu... tout le vote des jeunes. Aujourd'hui, c'est un pur player des vieux, quoi. L'électorat LR, c'est 70% de plus de 60 ans. Qu'est-ce qui a perdu les jeunes? C'est que les jeunes se retrouvent plus du tout dans les positions sociétales de la droite, qui est anti-mariage pour tous, anti-IVG, etc. Donc finalement, ce type de séquence, c'est suicidaire pour quelqu'un qui veut... Vraiment, tout à l'heure, vous avez dit que c'était les plus de 60 ans qui regardaient la télé. Je pense que la plus grosse partie de personnes qui pourraient être d'accord avec ce sujet, et qui votent, je pense qu'ils ont plus de 60 ans. Ça ne se joue pas. Alors, je parle pas pour vous, Fabrice. Que les vieux qui font... Vous ne prenez pas pour vous, mais allez-y, je vous en prie. Reste, Camille, petite question. Est-ce que le média a, en gros... pas un fichage, mais une radioscopie de ces sociaux. Est-ce qu'on sait leur âge? Je pense. Si c'est bah, je te prends un rendez-vous avec Bertrand, le boss du directoire, et puis tu pourras. Ouais, très bah, moi, je suis ce que je pense. Je suis le sujet dans le sujet, je vais quand même répondre à mon voisin de droite. Je ne sais pas très bien quelle attention vous me prêtez. Moi, je n'en ai aucune. Je n'en ai aucune. Je ne sais pas très bien si je fais partie de la classe dominante qui veut dominer. Je n'arrive pas à me dominer moi-même. Alors, je n'arrive même pas à dominer mon chien. Alors, je vais vous dire, sur ce coup-là, ce n'est certainement pas moi qui vais dominer qui que ce soit. Ça, au contraire. Moi, je me considère comme un serviteur bien inutile au demeurant, donc certainement pas un dominant. Ça, c'est le premier point. Je n'ai pas dit que vous étiez dominant. Non, c'est-à-dire que, c'est que ça marche, votre logiciel... Vous avez commencé, Fabrice Divisio, en disant sur les gobelets. Sur Vincent Bolloré, que vous n'avez pas gêné. Quand ce que vous dites et vos orientations aussi montrent qu'il y a quand même certaines incohérences. Je ne vous dis pas que vous êtes pote avec Bolloré, ce n'est pas ça que je vous dis. Je vous dis c'est simplement que lorsque il y a un milliardaire qui est un cadeau tradi, qui est plutôt et beaucoup anti-IVG et qui considère un certain nombre de choses et de sujets. Je veux dire, vous pouvez ne pas être choqué. Voilà le problème. Pas choqué, mais il est boycotté. Attendez. Le problème, c'est qu'on étiquette les gens. Au bout d'un moment, le problème, c'est que les étiquettes, ça donne ça. Je veux dire, exactement, ça donne ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous étiquetez. Bah, moi, je suis désolé. Vous cherchez à étiqueter et ça ne marche pas, votre truc. Parce que, effectivement, vous savez, rien de moi, mais c'est pas grave. Non, je vous dis. Mais c'est intéressant. Mais vous savez rien de moi, mais vous en faites une analyse quand même. Non, je. Par rapport aux propos que vous venez de dire. Je ne fais pas une analyse sur votre vie. Mon propos est simple. À la question, est-ce que aujourd'hui, ce propos, compte tenu dans ce contexte d'une émission catholique, est-ce qu'elle a sa place sur son émission? C'est une autre affaire. Maintenant, c'est une émission catholique. J'entendais tout à l'heure le corps temple du Saint-Esprit. Ce que vous voulez dire. C'est une émission catho qui manifestement s'adresse à des cathos. Mais c'était pas un prêtre là en direct. On n'est pas dans une église. Et alors? Je comprends ce discours ailleurs, mais sur une chaîne TNT qui appartient. Si sur France 2 le matin, dans les émissions religieuses, ce propos est tenu par un prêtre, il vous dérange pas? C'est son service public.
à partir du moment où il y a de la diversité, mais à partir du moment où c'est illégal de dire ça, oui, ça me dérange. Oui. Pourquoi c'est illégal ? On ne peut pas présenter, c'est totalement fake. Enfin, il n'y a pas une comptabilité du consensus scientifique qui va comptabiliser ces personnalités comme mortes. Donc après, vous, dans vos croyances, vous avez le droit, comme d'autres vont le penser, parce que ce n'est pas uniquement dans la religion chrétienne qu'on va pouvoir retrouver ce genre d'idéologie. Mais sur une chaîne d'information... C'est une opinion politique. Oui, mais les accidentés de la route, les gens qui regardent, enfin je veux dire, si admettons vous ne connaissez pas ces news ou vous savez que c'est une chaîne d'information, vous êtes amené à zapper, vous tombez dans ça, vous savez pas que c'est spécialement je ne sais quoi. Quand vous êtes sur France 2, je suis désolé, on pourrait critiquer beaucoup ces questions-là, mais je veux dire à minima, enfin quand c'est sur France 2, on voit qu'il y a le prêtre et il y a l'église. Je veux dire, j'ai pas envie de regarder... Oui, bien sûr. Les gens, ils sont pas censés savoir que c'est soi-disant... Parce qu'ils n'assument pas, en plus. Ils n'assument pas dans le... Comment dire la réponse du directeur. Dans la réponse du directeur, ils n'assument même pas de dire que c'est une émission chrétienne, catholique. Ouais. Ils disent que c'est une émission... pour l'esprit et le corps. Il faut arrêter de Non, c'était une volonté politique et c'est vrai que c'est une véritable régression. C'est évident. Alors, on va avancer, on va changer un petit peu de thématique, on va parler de Gaza, parce qu'il y a eu une séquence qui est quand même incroyable et dans les médias, personne n'en a parlé. Le 11 et le 12 janvier, la Cour internationale de justice... qui a été saisi par l'Afrique du Sud, un élément médiatique qui a ce melting pot, enfin qui a ce feu d'artifice qui aurait dû faire vibrer entre guillemets les unes de nos médias. Zéro seconde partout pendant ces journées-là. Et puis même quand le compte rendu a été donné, quand la décision a été donnée et qu'on a dit qu'il y avait un risque de génocide pour les Gazaouis, pareil. Zéro seconde dans les médias. On a l'étude d'Acrimed que j'ai sous les yeux qui a fait le décompte. Alors que voilà, sur CNN, la BBC, enfin sur les médias internationaux mainstream très populaires, on en a parlé. Nous, en face, voilà, on nous parlait d'Edouard Philippe de la loi immigration. Aux horaires où ces décisions ont été rendues. J'aimerais poser une question à Myriam en premier. Est-ce que vous pensez qu'il y a une réelle volonté d'invisibiliser ce qui se passe à Gaza ? Et est-ce que vous pensez que c'était volontaire le fait de ne pas du tout documenter ce qui s'est passé et qui est quand même un phénomène historique, cette Cour internationale saisie et qui rend un verdict favorable, malheureusement, à ce risque de génocide pour les Palestiniens ? Oui, la réponse est oui. Est-ce qu'il y a une volonté d'invisibiliser ce qui se passe à Gaza et ce qui se passe en Palestine plus largement ? Oui, et ça ne date pas d'hier, ça ne date pas du 7 octobre. Juste pour corriger un tout petit peu ce que tu as dit en présentation, sur la CIJ, zéro couverture, pas une minute, une seconde, rien. Dans les médias, le 11, télé, oui. Le jour où l'Afrique du Sud a fait sa plaidoirie, donc c'était une journée pour l'Afrique du Sud et le deuxième jour, le lendemain, Israël se défendait. Et rien, absolument rien sur la plaidoirie de l'Afrique du Sud. En revanche, le lendemain, il y a eu des informations, des articles, des mentions dans les journaux télé sur la défense d'Israël. Donc c'est quand même extraordinaire la façon dont ça s'est passé. Pour parler par ailleurs de ce qui se passe à Gaza, oui, il y a vraiment... Là, tout le monde est assez d'accord, en fait. Il peut y avoir des petites nuances dans les médias dominants, les uns, les autres, CNews plus extrême droite, France Info, Service public, etc. Mais finalement, dès qu'il s'agit d'Israël des Palestiniens, c'est vraiment... Comment est-ce que vous l'expliquez? Expliqueriez peut-être, vous, Myriam ? Je l'explique par une... Parce que c'est la position de Macron par un parti pris des journalistes mainstream, enfin, pro-israéliens, et de la France, aligné sur le gouvernement français. C'est clairement pro-israélien. Il y a une invisibilisation de ce qui se passe à Gaza. Pourtant, il y a des dizaines et des dizaines de journalistes à Gaza. Israël a interdit les journalistes internationaux, à part avec son armée, d'entrer dans Gaza.
Pourtant, il y a des dizaines, encore une fois, de journalistes palestiniens qui n'existent pas, qui sont méprisés, comme s'il n'y avait pas de journalistes palestiniens, alors qu'il y en a des dizaines qui, au péril de leur vie, de leur famille, travaillent. Il y en a 130 qui ont été tués. Ouais. Les familles de journalistes ont été tuées. Il n'y a aucune mise en valeur de ça, aucune dénonciation de ces crimes. Il y a une crise humanitaire actuelle. Oui, je trouve qu'il y a comme une crainte de présenter Israël comme l'oppresseur parce que dans la mentalité des médias, etc., Israël est forcément victime. Mmh. Et voilà. Et d'ailleurs, la question coloniale ne revient jamais. Enfin, c'est même interdit. C'est le oui-mais qui nous était interdit au début. Il y a un certain nombre d'informations qui sont passées sous silence, qui sont incroyablement passées sous silence. C'est-à-dire, aujourd'hui, on sait qu'il y a, moi, je dis 34 000 morts parce que je me fie à l'ONG Euromed qui est basée à Genève et qui a des relais dans les territoires et qui compte 34 000 morts. Rien. Qu'est-ce qu'on en voit dans les médias dominants? Absolument rien. Il y a un certain nombre d'informations, les blocages de l'aide humanitaire par Israël, les blocages de l'aide humanitaire par les citoyens israéliens. Ouais. Il y a des centaines de manifestations qui en sont fiers. Les soldats israéliens qui filment avec les objets des Palestiniens, qui se filment devant les bombardements, qui en rigolent sur TikTok. Rien. Il n'y a aucune information. S'il n'y avait pas les réseaux sociaux, on ne saurait pas tout ça. Par exemple, j'ai révélé avec mes tout petits moyens qu'une centaine de médecins israéliens, de médecins civils, certains qui avaient eu des médailles pendant le Covid, etc., ont écrit une pétition pour appeler à bombarder les hôpitaux de Gaza. Rien, il n'y a rien qui puisse. Voilà. Depuis le 7 octobre, ça a été la journée sans fin. Le 7 octobre, je termine simplement. Avant le 7 octobre et depuis le 7 octobre, il y a eu un équivalent de 7 octobre fois 1000 à Gaza, en tout cas depuis le 7 octobre. Oui, c'est les 7 octobre tous les jours. Il y a 27 fois plus d'enfants tués à Gaza en 4 mois qu'en Ukraine en 2 ans. Mm-hmm. Il y a 530 enfants à peu près qui ont été tués en Ukraine en 2 ans. Il y a 14 350 enfants minimum, c'était la semaine dernière ce bilan, qui ont été tués à Gaza. Pourquoi ce n'est pas là? Il y a eu un événement incroyable, c'est que le Pentagone aujourd'hui l'a communiqué sur les morts à Gaza. Il a dit que le nombre serait, selon les études, il a officialisé le nombre de 25 000 morts. Donc on n'est pas loin finalement des 30 000. Non, 25 000 morts. Femmes et enfants, le Pentagone a sorti aujourd'hui, ce qui est assez incroyable, alors qu'il n'y avait aucun chiffre. Ouais. Et là, le jour où on passe la barre officielle, c'est le ministère de la Santé dirigé donc par le Hamas qui a dit qu'on avait passé la barre des 30 000. Moi, je pense qu'on l'a passé depuis longtemps. Le jour même, le Pentagone qui dit à 25 000 seulement femmes et enfants. Donc imaginez-vous, c'est que vraiment tous les bilans sont sous-estimés. Lucas, je vous en prie. Non, je vois qu'il est 22h, on a encore un peu de temps. Oui, allez-y, je vous en prie. Oui, alors on va déborder un petit peu. Sur l'ONU, etc., effectivement... Il n'y a pas de série après. sur l'ONU, etc., c'est vrai que ça n'a pas du tout été traité dans tous les médias, de gauche comme de droite, et surtout pas du tout dans les grands JT. Et là, je pense que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait... Les éditorialistes se disent, mais en fait, ça va intéresser qui? On va plutôt faire du micro-trottoir, c'est plus simple à faire. Je pense que c'est plus ça, en fait, en réalité. Vous pensez ça? Vous parliez effectivement des exactions de certains soldats de salle sur les réseaux sociaux, etc. Le Monde aujourd'hui a fait un papier dessus qui est mis en une. Donc il y a quand même un travail qui est fait. Les journaux télé, on parlait plutôt des médias. Mais effectivement, les journaux télé ne sont pas à l'auteur. Alors France 2 a fait, hier ou avant-hier, ils ont fait un petit reportage sur la famine à Gaza. Mais en tout cas, il y a des choses de tous les côtés, en tant que citoyen, des questions auxquelles j'aimerais avoir réponse. Sur ce conflit, et c'est vrai que j'en ai pas du tout. Par exemple, est-ce que la population civile à Gaza soutient le Hamas ou pas? Pourquoi est-ce qu'on met pas en lumière le travail des journalistes qui sont à Gaza? Et ça, je parle en tant que journaliste. Mais il y a aussi des aspects de la société israélienne, que pour le coup, je connais un peu, qui sont pas du tout mis en avant dans les médias, alors que c'est central. Vous parliez, par exemple, des colonies tout à l'heure. Alors là... comme un média qui peut-être va me laisser une minute ou deux pour en parler, quelque chose qui n'a pas du tout été évoqué dans les médias. En fait, comment vous dire? On ne dit pas qui habite dans les colonies en Israël. Les personnes qui habitent dans les colonies, c'est souvent des personnes qui sont ultra-orthodoxes. Les ultra-orthodoxes en Israël, c'est une population qui est très mal vue. D'abord parce qu'elle croît très vite démographiquement,
elle n'a aucune plus-value économique dans le pays, elle vit souvent des aides sociales, et en fait, le reste de la population israélienne déteste cette catégorie. Et il y a des expériences qui ont été faites dans les années 80-90 d'implanter des populations ultra-orthodoxes dans des villes laïques. Ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 2 ou 3 ans, les ultra-orthodoxes étaient devenus minoritaires. Et donc, il y a une sorte de consensus dans la société israélienne, aussi bien dans les partis de droite que dans les partis de gauche, qui consiste à dire, en fait, on va mettre les ultra-orthodoxes dans les colonies de Cisjordanie. Et si le retour à la paix passe par le gel des colonisations, en fait, énormément de citoyens israéliens qui demandent une solution en 2 États, etc., se disent, mais en fait, ça veut dire que si on abandonne et si on gèle la colonisation, on va se retrouver avec des ultra-orthodoxes chez nous. Et ça, c'est quelque chose qui est très peu évoqué dans la presse française, par exemple, et qui est central, à mon avis. C'est un angle, c'est vrai, c'est un angle qu'on n'a pas entendu, mais on parle quand même de colonisation, que ce soit en Cisjordanie et ailleurs. Je voudrais juste rapidement, et ensuite, une information, par exemple, que vous ne verrez nulle part, que j'ai découvert aujourd'hui, qui est issue d'un sondage de l'Institut israélien de la démocratie, qui dit que 68% des Israéliens sont contre l'entrée d'aide humanitaire à Gaza. On parle d'une situation... 68%, 2/3 des Israéliens juifs, hein, parce qu'il y a des Arabes, il y a des Palestiniens dans l'association, qui ont la société israélienne. Mais 68% des Israéliens juifs sont contre l'entrée d'aide humanitaire. On a des enfants qui meurent de faim, des familles entières qui meurent de faim. Le lait en poudre ne peut pas rentrer. Il va y avoir des épidémies. C'est une situation catastrophique. Et la société israélienne est tellement embrigadée, tellement... je pense que la puissance médiatique et politique là-bas a un impact incroyable quand on entend que 68% de la population qui est contre l'entrée de l'aide humanitaire, on est où? On est sur quelle planète? Pourquoi on en entend pas parler? Bien sûr. Pourquoi on n'en entend pas parler? On en entend parler sur les réseaux sociaux via les vidéos de cette franco-israélienne Nelly Kupfer qui passe sa vie à appeler à ce que l'aide de Gaza n'arrive pas, et au génocide même et au bombardement des Gazaouis. Mais pareil pour la question des Palestiniens, est-ce qu'ils soutiennent le Hamas? Ce qui est sûr aujourd'hui, quand on voit comment ils sont bombardés, ce qui est sûr, c'est qu'ils ne soutiennent pas Israël. Enfin... je pense qu'il y a une radicalisation qui s'effectue dans les deux populations, comme vient de le rappeler Myriam. C'est l'évidence. Et il y a aussi quelque chose qui est peu évoqué quand on parle de la société israélienne. Si j'ai 2 minutes où je peux laisser parler Myriam. Juste après, on revient. Ouais. Mornia, je vous en prie. Alors, ensuite, j'y étais, moi, du coup, ce jour-là. Gaza? Pas à Gaza, d'ailleurs, j'ai contacté... À Rafah? Non, pas à Rafah. Laisse-moi terminer, tu vas voir, ça va vite venir. Le jour où il y a eu la plaidoirie donc, de l'Afrique du Sud, c'était un moment qui était très important. À La Haye, donc. J'étais à La Haye avec beaucoup de Palestiniens qui venaient d'un peu partout en Europe. Et en effet, force est de constater, donc, le premier jour, hein, le jour de la plaidoirie des différents avocats, on n'a pas trouvé les médias français, ça c'est très clair. On a été sollicité par des médias étrangers qui étaient... Les médias étrangers ont couvert ça ? Ah oui, il y en avait. Bien sûr. Ouais, il y en avait. CNN, BBC. Bien sûr, il y en avait. On a été sollicités en tant que Français. Et du coup, bon, sans transition aucune, est-ce que ça m'étonnait ? Nous, en tout cas, qui sommes dans Urgence Palestine depuis le début, non, ça ne nous étonne pas. Est-ce que les médias... Alors là, pour le coup, ça caractérise tout le débat qu'on a eu, le deux poids, deux mesures, l'orientation politique, la propagande. Non, il y a une volonté claire. En ne parlant pas des sujets, c'est aussi avoir en réalité un discours politique. Et quand on en a parlé, en tout cas... sur les médias mainstream qu'on a évoqué un petit peu avant, c'était focaliser le débat autour, en effet, est-ce que la population est pour le Hamas ou pas. Donc ça, c'est pas neutre, c'est clairement une volonté, c'est clairement aussi une pratique pour éviter de parler, comme le disait Myriam, des frappes indiscriminées, le fait que ça fait des années que ça dure, qu'il y a un blocus humanitaire, qu'on n'est pas dans un risque génocidaire, même si, tu as raison, c'est la première fois qu'Israël passait devant la Cour pénale internationale, donc on s'en est réjoui. Il n'empêche qu'on voit même dans les termes qui sont utilisés, il faut lire ces mesures, hein, qui n'est pas la décision, puisque c'est les premières mesures qui tombent avant la décision. Il y a quand même des mots qui sont quand même qui montrent l'état d'esprit quand même, et le fait que pour la première fois on a une entité comme celle d'Israël qui se retrouve devant une cour qui n'est même pas formée en fait à la voir comme coupable. C'est-à-dire que ça dit un risque génocidaire, et en même temps il y a
tout un plein d'alinéas qui expliquent qu'on a des morts, qu'il y a, il y a une tentative, on a des morts, qu'il y a une tentative d'affamer, qu'il y a en effet, ça n'a aucun sens même de pas affirmer clairement en droit, j'entends, et en juridique. Bon, tous les jours, il y a des morts, il y a des femmes, il y a des enfants qui ont des parties de leur corps qui sont coupées sans anesthésie. Plus de 1000 enfants. Amputées. Ouais. On a des femmes qui accouchent sans anesthésie. On a déjà des épidémies. On a des femmes qui repartent. On a les médecins de Palmed qui sont arrivés il y a pas longtemps de Palestine. Et c'est vrai. Hein, alors là, on les voit pas du tout non plus sur. Puis on a tous les malades qui peuvent pas se soigner. Qui peuvent pas se soigner. Et du coup, on a non seulement un génocide au regard du droit, mais on est aussi, en tout cas, il y a tous les critères qui montrent qu'on a un crime, en tout cas des éléments qui pourraient montrer qu'il y a un crime contre l'humanité. Notamment, et dans cette dernière séquence, on le voit bien, et on l'a vu tout à l'heure, je ne sais pas si vous êtes au courant, puisqu'il y a eu une rafale de tirs qui ont été faits de la part de Tzal sur des Palestiniens, je crois que c'était dans le nord de Gaza, qui étaient en train de récupérer des colis alimentaires. Donc, on affame. Et on tue en même temps. Ce sont autant de critères qui sont définis dans le droit international et qui manquent. Au moins 100 Palestiniens qui sont morts. Plus de 100 Palestiniens. Est-ce que je peux juste commenter ça En récupérant les aides humanitaires. Est-ce exactement. Que je peux commenter oui, juste cette dernière info et ensuite je vous oui, excusez-moi. Parler, non, très prie, rapidement. Cette information qu'elle vient de citer a été donc elle est apparue dans les médias aujourd'hui et l'ambassade d'Israël en France a critiqué aujourd'hui. Sur Twitter, tranquillement, Libération, qui est la une de Libération, le CRIF, la même chose, c'est-à-dire il y a une... Qui fait ça, en fait ? Quelle ambassade fait ça ? Je ne suis même pas sûre que la Russie ait fait des choses comme ça. C'est une attaque à la liberté de la presse qui est scandaleuse. Et sur les médias français, les médias, les grands, les télévisions, etc., vous avez des appels au génocide. Bien sur sûr. CNews, vous avez Sabine Tassa, qui est la femme et la mère de victime malheureusement du 7 octobre, mais qui a tenu des propos génocidaires, qui a dit c'est des bêtes, c'est pas des victimes, il faut les effacer, il faut jamais sortir de Gaza, etc. etc. Et le journaliste de CNews a acquiescé, il a dit je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire, on entend, c'est quand même très grave. On dit souvent qu'est-ce qu'on aurait fait si on avait su le génocide des juifs à l'époque, qu'est-ce qu'on aurait fait ? Eh bien, tous ceux qui se posent de la question. On le voit, ouais. On voit leur réponse, en fait, là. Ouais. C'est incroyable. On aurait fait rien. On aurait soutenu les bourreaux. C'est ce qu'on est en train de faire, là. La France, malheureusement, justifier, très souvent, se coucher devant les bourreaux. Ouais. Et ça, c'est un vrai scandale. Alors, Fabrice, vous en prie. J'ai une anecdote à raconter sur ma prise de position. Ce qu'elle m'a valu, cette prise de position. C'était quoi, la prise de position ? La prise de position, c'est de dire... Il défend les Gazaouis. En fait, c'est juste de dire, à un moment donné... d'abord, moi, je tiens en très haute estime Israël, il faut être très clair, sur le fait que moi, j'ai refusé un poste d'enseignant en théologie biblique à Jérusalem, mais donc c'est un pays avec lequel je suis. Voilà. Je considère, comme l'Église catholique, que l'antisionisme n'est pas loin de l'antisémitisme. Je ne sais pas si c'est de l'antisémitisme, mais c'est pas loin. Donc, genre, je peux difficilement me traiter d'antisémite pour ce qui me concerne. C'est-à-dire qu'en fait, je suis pas loin de la position de l'Église sur le sionisme de fait. Bon. Néanmoins, le simple fait d'avoir une visibilité, de l'utiliser en commentant les arrêts de la Cour internationale de justice. Alors le sionisme, rapidement, c'est juste être pour le fait que les Juifs aient un État. Alors pour... oui, en réalité, c'est un tout petit peu compliqué que ça. Parce mais c'est pour faire... Mais voilà, c'est ça. Enfin, disons que le sionisme de fait, l'Église reconnaît le sionisme de fait, c'est de dire, bon, on ne se pose pas la question de savoir s'ils avaient le droit d'être là ou pas, le fait est qu'ils y sont, ouais. Et que donc... Voilà. Mais je ferme la parenthèse. Ouais. J'explique juste ce que c'est. Ce que je veux dire, c'est que, néanmoins, on voit que même... Je ne suis pas forcément d'accord avec tout le monde, mais que ma position est même plus nuancée qu'un certain nombre de personnes. Bien. Mais, néanmoins, ce que j'ai expliqué, ce que j'ai dit, c'est qu'il y avait une ligne qui avait été franchie sur le plan du droit international et sur le plan du droit international humanitaire, et que je faisais la distinction entre l'État d'Israël et Netanyahou, qui, pour moi, était un fou furieux dangereux et qui cherchait, effectivement, au demeurant, à se maintenir en poste au mépris de vies humaines. Ça a valu quoi, ça ? Ça a valu deux choses. Ça a valu des menaces de mort, fort sérieuses, parce que, notamment... Certaines d'entre elles, ma fille était hospitalisée pour une intervention chirurgicale assez lourde. On a dit, je sais où est hospitalisée ta fille. On a reçu des courriers. Ouais. En fais gaffe à elle, parce qu'on sait où est hospitalisée. Ma fille a été opérée avec deux gardes du corps
pendant une semaine. Je ne pouvais pas gérer le stress de l'opération. Je ne dis pas que ce serait arrivé. Je dis juste que je n'étais pas capable de gérer le stress de l'intervention lourde et en même temps, le stress de me demander tous les matins et tous les soirs si ma fille dans sa chambre, la personne qui allait venir... Enfin, voilà, est-ce que je veux dire. Et ça c'était des menaces que vous avez reçues directement? Absolument. Absolument. Alors j'en ai reçu aussi beaucoup, mais bon, on va pas... Donc c'est pour dire que bon... Là, on va quand même loin. Enfin, on touche une enfant qui est malade, qui va se faire opérer, c'est-à-dire qu'il y a donc zéro c'est, pitié, quoi. C'est, on en est là, quand même. Deuxième chose, c'est que j'ai effectivement vu que mon nom circulait sur des sites extrémistes juifs. Votre numéro. Et mon numéro, mais c'est pas que ça. C'est que je reçois un appel d'une cliente médecin, moi je suis avocat, avocat de médecin en l'occurrence beaucoup, médecin juif, comme ça, qui m'appelle en me disant, écoutez, on ne va pas pouvoir continuer. D'accord, très bien, on ne va pas continuer la relation. Pourquoi? Eu égard à vos positions sur Israël. Mmh. Bien bon, c'est intéressant, c'est quoi mes positions sur Israël? Et là, je m'aperçois qu'en réalité, mes propos... Donc, il y a un site que je dis pour ne pas faire de la pub, mais que je ne vais pas tarder à faire fermer, où effectivement, je suis traité d'antisémite, où mes tweets sont déformés, ils sont publiés, et il y a un appel très clair à me débarquer si on est client chez moi, ou à ne pas me prendre si effectivement on n'est pas client. Site de notoriété publique. Ah oui, complètement. Et donc, très connu. Très connu, puisque à tel point que j'ai eu 5 ou 6... pas mal, plus que ça, mais 5 ou 6 personnes m'ont appelé avec des médecins un peu en vue que je défendais, en disant, écoutez, vos positions, non, machin. Je dis, mais comment vous les connaissez, mes positions? Et en fait, mais vous savez, je vous me dirai après c'est quoi, c'est quoi vos positions, parce qu'on ne sait pas du coup. Mes positions, elles sont relativement simples. Mes positions, elles sont simples. Elles sont de dire qu'aujourd'hui, il y a un risque génocidaire qui a été identifié, qui est clairement identifié, qu'en réalité, on peut prendre toutes les précautions d'usage sur le risque génocidaire, mais qu'à un moment donné, le droit et les faits doivent coller, et que ça s'appelle un génocide. C'est comme ça. Et que, en fait, le simple fait, on peut pas, d'ailleurs la Cour internationale de justice le dit, c'est intéressant sa décision quand on la lit. Elle est très intéressante. Elle dit quoi? Israël, c'était quoi sa position? C'était de dire, non, la convention sur le génocide s'applique pas à moi. Et donc votre requête est irrecevable. La Cour a dit non, elle s'applique à moi. Et c'est intéressant parce que pourquoi? Et comment elle le sait? Comment elle dit un risque génocidaire? Elle utilise les propos tenus par les responsables israéliens, notamment déshumanisants, dit-elle. Oui, et les ministres qui ont appelé à bombarder, donc, à créer la famine, très bien. Et à jeter même des bombes nucléaires sur Gaza. Et ce que j'observe, c'est qu'à un moment, donc ça c'est le premier point. Deuxième point, quand même très rapide, on parle de la liberté de la presse et de l'information. Moi je suis, alors là pour le coup je suis obligé, quand je vous parlais de médias d'opinion, là on va même très loin. Vous disiez, je ne suis pas prêt à être invité sur CNews, d'autant moins que je les ai poursuivis. À titre personnel, moi, citoyen français, notamment pour incitation au génocide sur les propos tout à l'heure. Oui, c'est vrai, j'ai vu votre... Et que c'est moi, je demande à personne de se joindre à mon action, c'est moi qui l'ai fait en tant que citoyen français, et donc j'ai envie de dire, voilà. Et voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, encore une fois, je me fous de Bolloré, ce qu'on veut, mais c'est BFM, mais il y a aussi CNews, ou sur BFM, cette scène que vous décrivez, parce que nous, sur BFM, mais peu c'était importe. C'était les deux. Elle est passée sur les deux. Mais c'est des ce qui bêtes, m'a c'est frappé, des, c'est pas des victimes à propos de la population. Ok, bon, la souffrance peut... vraiment, je juge absolument pas ces propos qui peuvent être très durs, mais dans un contexte de souffrance, quand même, on a des journalistes, Bien sûr qu'on compatit tous à sa douleur, mais ça n'autorise pas à dire des choses comme ça. Juste en fait. pour laisser dire de la part des journalistes. On rebondira tous après, parce que justement, il y a eu cette question qui a été posée au patron de Canal sur le nombre de morts cet après-midi en enquête parlementaire, sur s'il savait le nombre de personnes qui étaient mortes à Gaza. Et ben, on écoute sa réponse et on revient sur le débat. La question s'adresse à M. Nedjar en tant que directeur de la rédaction de CNews. Monsieur Nedjar, est-ce que vous connaissez le nombre d'enfants, de femmes et d'hommes qui ont été tués par l'armée israélienne à Gaza depuis le 8 octobre? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous le donner? Je ne connais pas le nombre exact. Vous pouvez me le donner? Non, moi je vous pose la question, est-ce que vous connaissez le nombre exact? Ouais, et c'est pas totalement non plus le sujet de la commission d'enquête, mais vous avez votre rebond, allez-y, monsieur Caron, bien sûr. Je suis surpris que vous ne connaissiez pas ce chiffre en tant que directeur de la rédaction de CNews, d'autant qu'il s'affiche en une de Libération ce matin. Donc j'apprends que vous qui dirigez une chaîne d'info, vous ne lisez pas la presse.
30 000 victimes à Gaza. En réalité, il y en a beaucoup plus, hein, parce que ce chiffre ne tient pas compte des victimes indirectes ni des disparus. En réalité, nous, on a regardé CNews avec mon équipe depuis une semaine. On a constaté que vous ne parlez jamais de ce qui se passe à Gaza, si ce n'est pour adopter le point de vue du gouvernement qui est actuellement accusé par plusieurs diplomaties de commettre un génocide contre la population palestinienne. Anas, je t'entendais commenter, tu disais que c'est de la flûte. Qu'est-ce que... Non, mais je veux dire la commission parlementaire. Enfin, moi, pour moi, c'est pas d'attendre que CNews condamne le génocide ou explique le nombre de morts, alors que dans leur chaîne, je veux dire, il y a quelqu'un qui dit faut les effacer, faut les éradiquer, et le journaliste. Le mot qui dit derrière, c'est oui, et il passe à autre chose. Je veux dire, à un moment donné, c'est pas... Moi, en tout cas, la scène dans laquelle... Parce que ça, c'est la scène diffusée par CNews. C'est pas comme si, parfois, les choses, elles sont récupérées par des gens. Ils ont assumé totalement. Et ils ont même mis un jingle CNews à la fin de cette séquence. C'est-à-dire, c'est dire le niveau, en fait... C'était sponsorisé. C'est à quel point il n'y a pas de problème. Tu peux, dans une chaîne... Aujourd'hui, venir dire que tu es pour le génocide total du premier jusqu'au dernier, les éradiquer, et mettre ça en jingle, ça veut tout dire. Je veux dire, il n'y a même pas besoin pour moi de commission parlementaire, parce qu'au final, on laisse la possibilité aux gens de... C'était ce qui faisait le lien entre le sujet de Gaza et justement le sujet dont on parlait de CNews, mais c'est quand même assez frappant de voir que... La liberté d'expression. Le responsable, quand même, d'une chaîne d'info ne sache pas, alors que le matin même, il est dans la une d'un des plus grands journaux. Je suis d'accord sur le fond, Mornia. Je leur demande rien. Non, comme on leur a jamais demandé de compte. Oui. C'est ce que disent les avocats d'Afrique du Sud, notamment. Ils disaient, en fait, juste quand on a été habitué à ce qu'on nous demande jamais de compte, à croire qu'on est de toute façon, on a la vérité et que ça marche. Évidemment que on arrive là. Bon, c'est vrai que c'est un peu une mascarade parce que quand même d'en arriver là. Alors que oui, et ça ne s'est pas produit qu'une fois, en effet. Le fait qu'on appelle à tuer, à exterminer, c'est le mot. Je veux dire, à un moment donné, un effacement ethnique, c'est ça. C'est la déshumanisation la plus... Bah là, on arrive... vraiment organisée. Oui, mais c'est quand le paroxysme. Là, on entend, non, je ne sais pas. Je te rappelle, Camille, qu'on a commencé ton émission sur la liberté d'expression. Ouais. Donc, si tu veux, à un moment donné, où est-ce qu'on place le garde-fou, quoi? Mais là, ce n'est pas une histoire de liberté d'expression. Non, enfin, c'est une question... Pour moi, c'est une question de vie. C'est clair que derrière, il y a, que ce soit un projet médiatique ou un projet politique. C'est en lien avec la ligne politique du gouvernement. Je veux dire, récemment, je suis avec d'autres, on a reçu les majorations des amendes. Ah oui. Voilà, on a contesté nos amendes pour les manifestations interdites en soutien au peuple palestinien. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le 29 février 2024, je dois 375 euros pour avoir dénoncé un génocide depuis 4 mois à peu près. Je veux dire, à un moment donné, c'est ça. C'est-à-dire que d'un côté, le lundi, Macron nous fait semblant qu'il envoie de l'aide humanitaire en avion, qu'il lâche je sais pas quoi, quelques cartons au plein milieu de la mer et débrouille-toi pour aller les récupérer. Et le mardi, on reçoit, ils envoient des majorations d'amendes pour ceux qui ont dénoncé tout ça. Je veux dire, à un moment donné, on a dit qu'Israël avait le droit de se défendre. La présidente de l'Assemblée nationale Meyer Habib, qui a expliqué qu'ils avaient le droit, que c'était la Judée. Que les Palestiniens étaient un cancer. Voilà, que c'était la Judée Samarie. Lui, c'est simple. Pour lui, il n'y a aucune colonisation, il n'y a pas de problème. Ça fait 2000 ans. Ça aurait dû rester. C'est limite les Palestiniens qui sont dans sa tête colonisateurs. Et donc, c'est profondément problématique. On parlait de CNews, mais c'est l'ensemble des médias. Oui, excusez-moi, un petit mot quand même sur Libération. Mais Libération, ils ont fait des sacrés papiers pro-État d'Israël, qui ont dénoncé le peuple palestinien, etc. Et c'est très facile de venir quand tout le monde voit que Rafah est totalement acculé, que le peuple palestinien est en train de crever en 4K sur Twitter, sur TikTok, etc. Je veux dire, celui qui nie le génocide, qui nie le fait qu'il y a une situation dramatique, un massacre
massacre et le fait qu'on affame la population, c'est quelqu'un qui ne vit pas dans cette planète-là où se met des œillères. Et aujourd'hui, c'est facile de venir après 4 mois, quand on a participé à condamner les paroles palestiniennes, quand on a participé à condamner les gens qui disaient que c'était pas normal, qu'il y avait une colonisation, un nettoyage ethnique, et de venir écrire 30 000 morts. Il y a beaucoup, beaucoup de militants antiracistes, il y a beaucoup de réfugiés palestiniens qui ont dénoncé cette une de... Et d'ailleurs quand, dans le temps qui a été analysé, justement, qui accorde 5 minutes au Gazaoui, très souvent, le sujet concerne plus les otages, et c'est juste une bribe ou une fin qui rappelle la situation des Gazaouis. Alors allez-y, Myriam, et ensuite, j'aimerais une minute chacun pour terminer et donner son avis sur... Sur ce qui vient d'être dit sur Libération, il y a la rubrique Check News qui a fait quand même un certain nombre d'articles pour remettre Enfin, moi, que j'ai trouvé courageux et très fouillé. Après, c'est vrai que Check News est une rubrique qui m'a l'air d'être un peu à part dans Libération, mais on peut pas dire qu'ils ont fait du bon travail depuis le 7 octobre sur la question palestinienne. Je parle de Check News. Mais après, qu'il y ait quelques articles dans lesquels on parle de Libération, qui était censée être la quintessence du journalisme soi-disant de gauche, limite, c'était les bolcheviks ou je ne sais quoi. Mais moi, je suis désolé, quand on regarde la presse, et il y a quelqu'un d'autre aussi que je veux citer, qui a attaqué très récemment, notamment le collectif Urgence Palestine, c'est Mediapart. C'est-à-dire jusqu'où ça va? C'est-à-dire qu'il y a une sorte de concert comme ça, dans lequel on s'est accordé entre Mediapart, Urgence Palestine. Non, il y avait une... lire la tribune. J'aurais même pas fait la pub de cette tribune. Non, c'est pas de la pub, c'est Edoui Plenel, le patron de Mediapart, l'a fait lui-même. Et il faut le dénoncer. Je dis ça parce que sinon ça serait très facile qu'on mette juste sur les grands médias, mais aussi sur ceux qui sont censés aussi relayer les paroles des réfugiés palestiniens se retrouvent à il y a plein de sujets sur lesquels Edoui Plenel il est excellent, et sur d'autres très 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 mauvais, si je peux me permettre, même si je t'en prie, Lucas. On parlait par exemple du gouvernement en le critiquant que ça, et c'est vrai que par exemple sur le coup, le gouvernement dans l'affaire de Gaza-Israël n'a pas une ligne stable. Il change d'avis assez souvent. Et en ce qui concerne timidement. Avec des tweets, quoi. En ce qui concerne Serge Nedjar, pardon, je ne sais plus son nom, Nedjar. Oui, Serge Nedjar, exactement. En vrai, je ne sais pas pourquoi il n'a pas voulu donner le chiffre ou autre. On peut spéculer, etc. En revanche, sur la couverture médiatique, déjà, c'est un sujet qui est très, très complexe à traiter, mais je trouve que, par exemple, Le Monde et Libération, pour le coup, ont une assez... Et France Inter et France Info aussi ont globalement une bonne couverture. Peut-être moins France Info, mais France Inter, Libération, Le Monde ont plutôt une bonne couverture du conflit, je pense. On peut avoir les documents, justement, concernant les couvertures des principaux journaux de presse sur les unes, sur Libération, Le Figaro, etc. Il va apparaître... Ça change juste entre parenthèses, Camille. C'est un travail d'acrimède qui a été fait. C'est pas que les unes qui comptent. Par exemple, l'interview d'un spécialiste de la société israélienne qui explique pourquoi les procureurs militaires israéliens ne poursuivent pas leurs soldats, c'est pas en une, et c'est un article qui est très intéressant. Non, je suis d'accord, mais c'est vrai que il y a totalement un abandon au niveau de la presse, même écrite, sur la question de Gaza. Vraiment, on voit entre le mois d'octobre et le mois de février, et même chez France Inter, au mois de février, il y a une pression. Il ne restait quasiment plus aucun sujet sur Israël-Palestine, même pas uniquement sur Gaza. Mais c'est dû aussi, quand on voit, alors moi je vais les regarder les chiffres d'Acrimed, mais c'est aussi dans la temporalité, c'est-à-dire qu'ils se sont fait comme quoi, à un moment donné, on peut être puissant, mais les médias se sont fait dépasser par l'information qui a circulé via les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y avait un décalage total entre ce qu'on voyait en télé et ce qui circule, heureusement d'ailleurs, au niveau des réseaux sociaux. Donc on voit que ça évolue aussi et qu'il y a une espèce de contrainte. Comme quoi, quand ça... Et puis ça se bat aussi un petit peu, et ben ça pousse. Et n'importe quel être humain qui a la chance d'avoir des yeux et de pouvoir voir et d'avoir un compte Twitter, c'était compliqué de pas... Il voit le deux poids deux mesures clair et factuel. Cette question aussi de toujours vouloir dire, quand on annonce un chiffre, oui, c'est le chiffre du Hamas, comme si c'était des faux morts qu'on voyait sur... Ça, je trouve que c'est... Il y a eu des belles analyses sur la manière dont on a déshumanisé les victimes gazaouis. On ne les cite pas, on parle... Les otages et les prisonniers. Ça, c'est très... Et ce qui s'est passé avec Libération aujourd'hui et
comme vous l'avez rappelé, Myriam, le fait que l'ambassade française, l'ambassade israélienne en France reprenne pour dire c'est une honte, tout est la faute du Hamas. Pareil pour le CRIF. Enfin, voilà, ils sortent de son rôle, de leur rôle, mais ils appuient ces discours qui disent, enfin, qui déshumanisent à longueur de temps en utilisant La question palestinienne, cette excuse des chiffres du Hamas, comme si les chiffres du Hamas faisaient que ces gens-là étaient des faux morts. Parce qu'on l'a entendu, même. Ce que disait tout à l'heure Myriam, c'est parce que en France, le traitement de la situation en Palestine, ça n'a pas toujours été, c'était un peu au gré de la politique aussi intérieure, mais en fait, ça a toujours été le deux poids deux mesures, mais là ça atteint un paroxysme en effet sur ces quatre derniers mois dans le traitement de l'information. C'est difficile de pas le voir et d'être dans le déni. Fabrice, pour conclure sur ce sujet, et ensuite Anas, et puis après on pourra rentrer tous chez nous. Je pense qu'effectivement il y a un vrai problème de deux poids deux mesures, et que par exemple il y a un sujet moi auquel je m'intéresse particulièrement, c'est le sort des Français qui sont allés combattre. Tout à fait. Moi je suis désolé, mais j'entends effectivement poursuivre, j'entends toi déposer des plaintes auprès du parquet. Il y a un travail qui est fait, qui est en cours. Effectivement, parce qu'effectivement, il y a un vrai débat à ce sujet, et que voilà, on ne peut pas d'un côté venir dire il y a un risque génocidaire, il y a effectivement. Je croyais que Emmanuel Macron a dit une démocratie, ça ne se comporte pas comme ça. Oui. Bon, bah, si ça ne se comporte pas comme ça, il faut en tirer les conséquences et se poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe pour les ressortissants qui sont allés combattre. Maintenant, en dernier lieu, quand même. Il y a un élément très important quand même à souligner, et pour pas qu'on se trompe, ce qui s'est passé le 7 octobre est absolument ignoble et personne ne le conteste. Enfin, j'espère que personne ne le conteste. Et c'est important de le redire, parce qu'à chaque fois, on nous accuse de dire « Mais vous minimisez ce qui s'est passé le 7 octobre. » Mais alors, pas du tout. C'est très important de le dire, et on l'a dit à souhait. Mais c'est pas le contraire. Simplement, c'est très important de le contextualiser. Et ça n'a pas été fait. Ça n'a jamais été interdit, grave. Ça a été interdit même de le faire. Non, il y en a aussi qui ont... terrorisme ex nihilo, Daesh, etc. Et que ça ne se passait pas dans un territoire occupé. C'était... absolument horrible, ignoble, kidnapper des enfants, tuer des enfants, etc. C'est injustifiable. C'est pas, on l'a dit, on l'a redit, c'est bon. Simplement, ça devait, le rôle des journalistes était de contextualiser. Or, c'était du terrorisme intellectuel, excusez-moi d'employer le terme terrorisme, mais c'était pratiquement du terrorisme intellectuel. Si vous essayez, si quelqu'un osait un peu dire, mais attends, il y a une situation coloniale, une situation de blocus depuis 16 ans. Non, vous n'aviez pas le droit. Oui. Vous n'avez pas le droit de contextualiser. Ça ne veut pas dire justifier, ça ne veut pas dire donner raison. Bah, c'est faire de l'information, du coup. Vraiment. Pas du tout. C'est un peu ce que vous dit Cyril, à partir du moment où vous défendez les Palestiniens, vous êtes pour le Hamas et vous soutenez l'attaque qui s'est passée. Et ça, c'est le reproche qui est fait à tout le monde. C'est-à-dire qu'on a beau le dire, le répéter, condamner le Hamas. Moi, je ne vais pas raconter mes messages privés avec Cyril, mais aussi, moi, il m'a écrit il y a 2 semaines, parce que, voilà, alors qu'en fait, il lit 1 tweet sur 10. Et moi, j'ai dit à quel point le Hamas était une organisation terroriste et à quel point on est contre ce qu'ils ont fait le 7 octobre. Mais à partir du moment où on dit que ce qui se passe en Palestine, c'est grave, on oublie de facto ce genre de... En fait, c'est important, c'est de l'information. C'est tout, en fait. Sans rentrer dans les mots, c'est de l'information. C'est une information extrêmement importante. Et j'ai encore perdu mon idée. Bien sûr, c'est une information importante. Et puis, comme vous l'avez dit, on l'a répété. Et le fait de contextualiser et de rappeler qu'il y a une situation coloniale qui existe depuis 75 ans, c'est très important pour que tout le monde comprenne. Ça ne légitime aucune violence, ni d'un côté, ni de l'autre. Ça légitime ce qu'il est en train de se passer depuis le 7 octobre, c'est-à-dire le 7 octobre fois 10 tous les jours sur les Gazaouis. Et ça, c'est très important d'insister sur ça. Attention, parce que si on suit la logique des gens qui disent ça, on a eu ici le 13 novembre 2015, dans lequel, d'ailleurs, moi, j'ai perdu un ami. Ça voudrait dire qu'on a eu ici, si on suit leur logique, parce que moi je pense pas que c'est du terrorisme type Daesh, c'est quelque chose qui s'inscrit dans un contexte colonial. Mais là, imaginons, allons au bout de leur logique. On a eu le 13 novembre 2015, ce que fait Israël aujourd'hui, ça reviendrait à faire 200 000 morts parmi les enfants en Seine-Saint-Denis et à Molenbeek, en fait, c'est ça. C'est-à-dire, est-ce que la France est allée bombarder la Seine-Saint-Denis et Molenbeek parce que les terroristes venaient de ces quartiers-là et faire 200 000 morts parmi les enfants, rapporter à la population française le nombre d'enfants tués et en prenant en compte la proportion d'enfants dans la société française, le nombre d'enfants tués depuis 4 mois, c'est comme si on avait perdu 200 000 enfants en France.
Incroyable. Voilà. Anas. Non, mais ça lie tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, même sur le sujet, sur la question de l'information et autres. En réalité, c'est QFD limite, parce que la réalité, qu'est-ce qu'on attend en fait de ces médias-là qui sont des médias dominants, comme on l'a dit tout à l'heure. Je disais cette phrase que la pensée dominante, c'est la pensée de la classe qui domine. Le soutien à l'État d'Israël, il est indéfectible depuis sa création, d'accord ? C'est-à-dire que ce sont les puissances impérialistes, que ce soit la France, les États-Unis ou l'Angleterre, qui ont participé à le fait d'ériger et d'aider à cet État d'Israël. Oui, oui, oui. C'est eux qui les soutiennent militairement, financièrement, les grands groupes. C'est pour ça que je veux dire, quand je vous disais que tout à l'heure, j'avais une lecture marxiste de la des choses et que je suis arrivé au marxisme par lecture de la vie politique et de ce qui se passe, je veux dire, c'est pas le fait du hasard que les gens relayent sur les réseaux sociaux, que Carrefour donne des colis alimentaires, que McDonald's, que Starbucks, etc., que les grands groupes, les grandes multinationales, en fait, elles sont du côté de la barbarie, elles sont du côté du génocide. Et que la réalité, tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, que ce soit CNews ou la misère et le massacre que vit le peuple palestinien, me pousse de plus en, encore plus qu'avant à lutter pour l'unité de tous les opprimés à travers la planète. Parce qu'en réalité, juste pour aller au bout de mon propos, mais quand on regarde tout à l'heure ce qu'on disait de ce qui est invisibilisé dans les médias, on parlait des travailleuses, des travailleurs, on parlait des gilets jaunes, on parlait de la jeunesse, des quartiers populaires, c'est-à-dire toutes celles et ceux qui vivent l'exploitation et l'oppression au quotidien, et qu'au final la seule chose qu'on légitime, c'est la parole du dominant. Et aujourd'hui, ce qui est le point d'ancrage important pour les différents impérialismes, c'est que l'État d'Israël joue un rôle central pour les États-Unis et la France dans la gestion et d'être le fameux gendarme qu'ils souhaitent du Moyen-Orient. C'est pour ça qu'on a mis un porte-avions directement, c'est pour ça qu'on bombarde les yéménites houthis, etc. C'est pour ça qu'on a discipliné, qu'on a domestiqué, ce qu'a dit Netanyahou, à l'ensemble des bourgeoisies arabes, d'accord ? Il leur a dit, sans le dire de cette manière-là, mais fermez tous vos gueules. C'est ça ce qu'il leur a dit. Et ils ont tous fermé leur gueule. Il n'y a personne qui s'exprime. Ça va au-delà. Je dis ça pourquoi ? Pour attirer l'attention sur le fait que ce n'est pas juste le truc de à quel moment Bolloré ou à quel moment BFM ou Olivier Truchot, il a décidé d'en parler ou pas, mais que c'est tout un système de domination où on continue à livrer du gaz, on continue à livrer du pétrole, on continue à businesser et on a envie que ceux qui gagnent, que ceux qui gagnent, ça soit l'État d'Israël. C'est ça leur souhait. Donc ils ne feront rien, même si vous pouvez mettre des photos et des vidéos d'enfants décapités, coupés en 18 si vous voulez, ça ne changera rien au fait que pour les puissances de l'argent et ces puissances impérialistes-là, il faut coûte que coûte, faire en sorte que ça soit l'État d'Israël qui soit celui qui est soutenu et non pas le peuple palestinien. Et ça a toujours été ça dans les histoires coloniales. Et c'est une histoire coloniale qu'on vit. Et ce n'est pas juste une histoire de à quel moment on leur a accordé 5 minutes de temps de parole. Merci énormément, Anas. Merci à tous. On va terminer sur ces paroles. Je terminerai aussi en disant que ce qui se passe aussi au Congo, au Yémen, en Syrie, en Irak et ultra grave, justement, 6 millions de morts au Congo, 4 millions de déplacés, des camps de réfugiés saturés. Ce qui se passe là-bas, c'est aussi abominable. Mais c'est vrai que, bon, on espère en France réussir à peser à travers le militantisme qui est fait sur les réseaux sociaux contre cette guerre en Israël-Palestine, chose qui est beaucoup plus difficile sur ce qui se passe actuellement au Congo. Mais voilà, je voulais terminer terminer aussi pour avoir un petit mot sur ce qui se passe au Congo. Voilà, je vous remercie. Essayez de pas m'étouffer avant la fin de l'émission. Je vous remercie à tous d'avoir participé. Merci beaucoup à vous, Fabrice. Merci, Mornia. Merci, Anas. Merci, Lucas. Merci à vous, Myriam. Voilà, c'était Salade Tomate Oignon. Et comme je dis toujours, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Ciao à tout le monde.